Hey Grugruc, la VOD, je suis avec Life, coucou Life! Et salut la VOD. Petit Far Cry, là, ça fait longtemps, pour le coup. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est le genre de jeu, tu n'oublies jamais comment ça se joue. Pour le coup, ça ressemble à tellement d'autres jeux. C'est ça. C'est la base. Et Shot of nous voilà, Tradition hop! Ah, qu'il est beau ce Life! J'avais presque oublié ta beauté. Index. Je sais même plus comment je m'étais. Attends, faut T'es que je maîtrise torse-poil un peu. avec Ah oui, c'est ton ça. Avec tes des trucs de Far Cry lunettes et puis primal des. et tout, le mulet, les lunettes, Le mulet, les lunettes, le et puis classique, le beau, le la beauté. FAMAS, bah un peu comme le mien, je crois, hein, Je crois qu'on silencieux, a. Red Dot. Ouais, on avait. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris ça pour défoncer du redneck. Ah oui, puis ça c'est le fusil à pompe que tu m'avais filé l'autre jour. Ah oui, parce Ça, que oui, c'est vrai que ça. je n'ai pas le quatrième emplacement d'arme exact. Ah oui, non, ça c'est un. Ça c'est un pompe. Wouhou! C'est un pompe. C'est une Winchester que tu as là, en effet. Enfin, une Voilà, Winchester-like, quoi. c'est ça, ça tire du calibre 12. Donc Non, j'aime bien. une Winchester-like avec, évidemment, un Red Dot. Bah, sinon c'est pas drôle. Voilà. Normal, America quoi. fuck yeah. Alors, où est-ce qu'on était? Alors, Alors, il y a un il y a sanctuaire. deux. Non, il y a une usine d'engrais, pardon, juste à On a. côté. Alors, mec, juste à côté de nous, il y a trois trucs. Il y a trois trucs? Comment ça, il y a trois trucs à côté de nous? Il y a trois pièces à récupérer d'irrigation, en fait. Justement, la flotte en stock, là. Alors, attends, de quoi tu parles? Nous avons une Kate qui se trouve dans la Ah oui, flotte en zone. stock, en effet, oui. Tout Flotte à en fait. Ah stock. oui, c'est juste à côté, oui. Ah oui, Voilà, et donc. plus les autres quêtes ici, d'accord. Oui, tu parlais de ça. Voilà. Très bien, très bien. Oui, bah on peut Donc, je te complètement faire propose de ça, oui. faire ça. Ah oui, c'est parti, oui. On se partage le truc, on récupère les objets, puis on commence Alors, comme attends, ça. je vais pinguer. Bon, c'est pas très très compliqué, c'est déjà pingé, hein. Ils sont pas Toc. loin. Alors. Et j'ai déjà une pièce. J'arrive vers la deuxième, visiblement. Et la troisième, je crois qu'elle était là-bas. Hop. Non, elle est où la troisième? Et la troisième, elle est pas très loin de moi pour le coup. Ah que salut Ah, elle est Bambi! là. Oh, il y a Bambinette. Coucou Bambinette. Comment ça va, Bambinette? Alors, faut peut-être tirer dessus. Hop là. Juste faire un truc, je vais voir si je peux pas C'est bon, prendre. j'ai les trucs. Parfait, parfait. C'est ça que j'ai? Oh là, il y a un Non. ours là! Voilà, j'arrive! J'ai une Winchester là, oui, d'accord. Tu t'es fait défoncer? Non, c'est pas moi, c'est un gars en fait. Ah, d'accord. Genre un random PNJ avec une barbe fantastique. Vraiment sympa de ta part. Bon, bah merci pour la peau, c'était Voilà, gratos. petite peau d'ours noir là. Oui, des os pour les permissions du Discord, un Bambinette. On s'est craqué avec Magicien et tout. Ah, merci Bambinette. Super. Merci beaucoup. Mais ouais, je comprends pas trop ce que j'ai fait. Il va falloir que peut-être que tu me réexpliques, hein, je suis désolé. Bon, voilà, c'était pas compliqué la flotte en stock, hein. Ah bah non. On a fait 700 $ de plus, c'est bien. Oui. Oula, c'est toi qui fais l'andouille là, avec des armes à feu? Oui, je voulais tester de tirer sur des pastèques, des citrouilles. Bah, alors moi, je tapais dessus avec mon poing et mon pied, et puis ça faisait pas grand chose pour le coup. Là, je tape, mais non, visiblement, je ne suis pas Ah, assez j'avoue. américain, je pense. Non, je suis pas assez américain aussi. Bon, c'est pas grave. Attends, on va rectifier ça. America! Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre dans le coin? Visiblement, là, on a fait les quêtes qu'il y avait à faire. Ouais. Alors, nous avons un 4x4, nous avons machin, nous Et avons donc, oui, comme je te disais, juste ici. avant qu'on fasse la flotte, là, il y a une usine d'engrais Greenbush au nord-est. Pas Oui, bien en effet. loin, dans une zone qu'on n'a pas Est-ce que visitée tu pour le veux coup. qu'on se la libère, cette petite Oh, bah usine écoute, d'engrais? faisons cela, mon bon ami. Bon alors, eh bien, écoute, on va se pinguer ça. Voilà. Où est-ce qu'il est le bon life là? Ah oui, hop, Je suis par là-bas, arrivé du là. coup, Ah oui, 500 d'accord. mètres. On y va à pattes? Oui, c'est à côté. Et c'est parti! Bah oui. À partir du moment où tout le monde peut parler dans un de vos saisons. Ouais, mais c'est bizarre, tu vois, j'ai essayé de synchroniser, vraiment, j'ai trouvé hein, où ça se faisait. On me disait, ah, c'est pas synchronisé, est-ce que tu veux synchroniser? Clique sur oui. Et ça me mettait, bah non, ça a pas marché. Donc j'ai pas compris pour le coup. Oui, il y a du grabuge par là, Life. Ouais, j'ai vu des petits gens là-bas.
Viens, nique-toi. Aïe. Tac. Normal, les citrouilles avec l'approche Halloween. Ah bah voilà, tu vois, non, mais c'est, en fait, c'est du roleplay. Explosion. Macron. Explosion. J'adore cette meuf, quoi. Macron. Putain. Explosion. Explosion. T'as la meuf qui avait plus aucune rime en on, quoi, c'est génial. C'est ça. Ah, autant démission, tu vois. Oui, d'accord. Mais alors, explosion. Ouais. Non, mais je sais pas, elle aurait pu dire destitution. Destitution, c'est très bien aussi, en effet. Oui, bien vu. Non, t'en fais pas, Bourbi. Je vais pas créer 50 salons non plus. Pour Bourbinette. Attends, je monte. Ah oui, tiens, c'est pas une mauvaise idée, en effet. Je vais passer par là. Je vais te suivre. C'est vrai que toi, t'as toujours ton fidèle sniper. Ah, moi, mon sniper, il me quitte jamais. Hein. Bah oui. Ah, tu as vu qu'il y a... Je vais monter là-haut. Oui, voilà, il y a une grande tour, c'est ce que j'allais dire, là. Tour radio je à moitié. Je vais monter là-haut. Ah, vas-y, vas-y. Oh, il y a un hélicoptère, là. Ah bah oui, tiens, c'est sympa. Est-ce qu'il est armé? Ah, visiblement, non. Ah, quel dommage. Bon, c'est pas grave. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Comment est-ce qu'on fait déjà pour... Ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux monter? Oui, je peux monter. Hop. Hop, là, il y a un monsieur. Vous ne me voyez pas, je ne fais que grimper. Alors, j'ai réussi à pinguer qu'un type, pour l'instant, c'est pas terrible. Ah, alors... Y a pas un mec là-bas? Ah non. Pas du tout. Ah, il y a un autre hélicoptère, tiens. Ouais, j'ai vu. Ah, une alarme là. Je sais pas si tu peux l'atteindre. Oh, bravo, superbe. Il y a une autre alarme là-bas. Ouais, je vois que tu l'as pingé en effet. Ouais. Il y a un type près de l'alarme que t'as déglingué également. Ah oui, je suis un... On est assez, il me semble. Ah, Astro qui lance un petit bourre-pif. C'est parti. Let's go. Let's go. Ouais, c'est minimum 5 en effet pour que ce soit comptabilisé dans le score final. Et en effet, Astro, tu as bien raison de lancer des bourre-pif parce que là, tu es en tête. Donc autant essayer de conserver ton avance, quoi. Alors par contre, on s'est fait repérer là, on est d'accord. Je sais pas, les mecs, ils ont l'air un peu excités, non? Ah, c'est peut-être... Il a peut-être repéré le mec qui est tombé, que j'ai tué, mais... Ah, peut-être. Les bégards. J'arrive pas à voir la deuxième alarme. Merde. Putain, il y a un mec qui allait... Ah, putain. Ouais, il y a des mecs qui ont popé genre juste devant moi, quoi, c'est l'enfer. Je vais essayer de vite aller à l'alarme, mais je promets rien. Je suis en train de surveiller l'alarme, donc s'il y a quelqu'un qui s'approche de l'alarme, je le bute. C'est bon, je suis là. C'est bon. Je vois ça. Ok, il y a un autre connard ici, il est descendu, cet abruti X. Ah, il y en a un en haut. Toc, toc. Et bim! Dans la tête. Wesh Max, comment ça va? Des bisous, merci d'être là. Salut Max. Alors, parce que attends, je surveille aussi la bagarre, évidemment. Plus poétique que Macron démission, le poème en alexandrin d'Elodie Pou. Ah oui, c'est vrai. C'était une fois en Royaume de France. Oh, oui, exact. Ah, yes, superbe. Et c'est Astro. Oh là là, Astro qui continue sur sa lancée, incroyable. 10 victoires, Astro, hein, c'est beau. Bien joué à toi. Ouais, je suis désolé, j'ai pas fait grand chose. Ouais, j'ai limité les dégâts, on va dire, mais je pense que tu as bien snipé les gens. Bien joué, Life. J'aime le snipe. Ah, tu t'en sors bien avec le snipe. En vrai, c'est cool, hein, on l'a déjà dit, mais j'aime bien notre binôme, il est plutôt cool parce que moi, niveau snipe, je suis pas. Enfin, je trouve ça rigolo, mais je suis pas très bon. Et j'aime bien m'infiltrer comme ça avec mes petites armes à silencieux. Et toi, Moi, je t'appuie, c'est. Ouais, non, c'est carrément cool, quoi. Moi, j'aime beaucoup comment ça se passe. Merci pour tous tes efforts, officier. Mais juste une. Texte est magnifique, oui, carrément. Est-ce que tu pourrais t'aérer un peu avant de revenir à l'église? Oui, c'est un xénomorphe, en effet. Celui de Croix d'Or aussi, c'est un xénomorphe. Attends deux secondes, je vais faire juste un petit truc. T'as réussi à comme t'échapper ça, du hop, bunker, je vois. C'est incroyable. S'il y a un combat. Tu vois s'il y a un combat, c'est-à-dire? Ah oui, t'as mis le live? C'est ça, j'ai mis le live pour voir la discussion. Et vu que j'ai pas mis en pause pour éviter que ça bug, parce que j'ai toujours peur que ça bug, en fait j'ai mis la fenêtre de Discord sur ton live. Comme ça, ah oui, d'accord. Je vois pas ce que tu fais. Et ça m'embête moins. Je me souviendrai de cette odeur toute ma vie. Oui, c'est vrai que oui, pour conserver la vue, en effet, il ne faut pas mettre le stream en pause. Voilà.
Ok, alors du coup, je vois qu'il y a une quête à côté d'une petite boutique, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Yep, je vais aller voir. Il y a un monsieur. Ah, il y a un truc Dans la boutique. dans la boutique, là, c'est quoi? Hop, une carte. Cinq Parfait. nouveaux lieux découverts dans les environs. L'Oedipou, elle est excellente. Elle est excellente comme nana. Elle écrit très très bien ses textes, c'est très très drôle. Bien incisif et tout. C'est du très bon. Ok, juge et élan. Ah! Donc il va y avoir un élan possédé par le démon là. À Ouais. ratatiner. Merci. Bon bah Potentiellement. ma foi, pourquoi pas. Il est pas loin en plus, j'ai l'impression. Ah, munitions au max, bon j'ai récupéré ce qu'il fallait. Mais écoute, s'il est pas loin, on peut Ah, je complètement crois se le bien. taper. 1820 mètres quand même! C'est pas Ah. tout près. Bon bah j'ai rien dit, alors il est loin. Je vois pas le. Il est là où je regarde, Life. Ah, c'est bon. Ok, oui, je viens de le Vers voir. plus ou moins le sud. En gros. Oui, non, il est vachement loin en fait. Il est vachement Ouais, loin, je. ouais. Est-ce qu'il y a un truc d'hélicoptère? J'ai pas l'impression qu'il y ait Alors ça, attends, non. je vais faire juste un Ah, si, truc remarque, pour on a moi. un hélico. Mais si, si, il y a un hélicoptère en haut, je suis con. Ah bah oui. Puis Ouais. juste à côté en plus, hein. Bah, genre, juste à côté. Attends, il faut juste que j'arrive à l'atteindre, par contre. Alors, je vais pas l'atteindre via des moyens conventionnels, hein, évidemment. Les échelles, les portes, tout ça m'emmerde. Ouais. Hop! J'avoue, c'est mieux. C'est mieux sans Alors, comment est-ce qu'on. viseur. Ah non, grimper comme ça, voilà. On descend comme ça. Wouhou! Je suis sur la route, Life, du coup, Je vois ça, t'inquiète c'est pas. quand Hop, tu je veux. suis rentré. Allez! Vas-y. Alors, ah oui, ça se dirige comme ça. Hop! C'est parti. Pas réussi. T'essayais de tarter le camion là, je crois, ou un truc comme ça, non? Ouais, mais j'aurais dû prendre mon lance-patate. J'aurais pu le faire. Ah oui, en effet. En effet, en effet. Ah, hop, hop, hop. Tiens. Là, tu vas pouvoir Oh, nous vas-y, prends débarrasser d'un joli petit stylo. encore un peu à gauche. À gauche encore? Top, c'est bon. Ah, pas loin. Oh, 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 oh. Oh, c'est beau. Parfait. J'ai pas assez compensé la chute. Ah ouais, j'ai vu qu'ils ont envoyé des fusils de détresse. Mais bon, on s'en fout, on est en hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe? Oh bah rien, je suis sorti. Je me suis trompé de touche. Ah merde! Attends, t'es où? Sur le pont. Ok, j'arrive. Ça marche, des bisous, Max, et oui, bon courage pour l'ostéo, en effet. Merci d'être passé, mon cousin. Alors, Oh, fais tu vas voir attention à ce que je ne l'ostéo? te coupe pas le mulet avec les pales de l'hélicoptère, quand même. Tu vas te faire craquer partout, toi. C'est clair. C'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un gentil. C'est un gentil, ouais. Ok, tu es là. Ah, Hop c'est là. d'accord, ok. J'avais juste oublié la touche. Allez, c'est Au moins, parti. je vais pouvoir faire mes muses avec les changements de pied. De siège. C'est bon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça quand t'es à l'arrière. Ah que c'est bon le cacolac, putain, ça m'avait tant manqué. Ah. Nord. Alors 200 mètres du coup. Souci de vertige récurrent, j'essaie des trucs. Oula Max, ouais c'est pas cool ça. Ah prends Bah oui, soin de non, c'est toi, sûr. tiens-moi au courant du coup. Alors tuer l'élan juge. Ah putain, il y a de la grâce partout. On va être défoncé mec. Eh bah, soyons défoncés. Alors, comme toujours, les enfants, la drogue, c'est mal, voyez. Ah ouais, bah complètement, oui. Alors, Hein? faut trouver l'élan. Alors, il y a plein d'élans partout. Ah ouais, en fait, ah, il y en a plein en fait qui disparaissent pour le coup. Mais quel enfer par contre, les herbes hautes, quoi. Please. Je ne vois rien. Moi, je me suis mis à hauteur et comme Ouais, ça, je dès vois que je ça. vois un Aïe! élan, je le. Ah! Bâtard! Il est mid-life ce petit cochon. Enfin, ce petit élan. Il est là! Ok, je vois. Ah! Il est plus là.
Ah, c'est pas un élan, ça. J'ai tiré dessus non, aussi. Derrière nous. Yes. Bien joué. Pourquoi est-ce qu'il est en train de brûler, par contre? D'America. Mais attends, mais pourquoi c'est... Mais pourquoi ça brûle? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas lancé de truc incendiaire? Non, non, mais... non, je sais pas. Ouais, vite, l'hélicoptère, vite, 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 life. Vas-y, 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 je vais récupérer... je vais essayer de voir s'il n'y a pas les... Où? Il y a un peu de... Je viens vers toi. Non! Reviens là, voilà, merci. Merci. Putain, quel enfer! Je voulais voir en fait, parce qu'il y a... Il y avait de la peau là, non? Ah, peut-être, non, ouais. Non, bon, bah, la drogue, c'est mal. Non, mais laisse tomber, la drogue, c'est mal. La drogue... Oui, bah de toute façon, la drogue, c'est mal. Hein. Les gagnants n'utilisent pas de drogue, comme dit le slogan. C'est ça. Alors, attends. Bah tiens, je te laisse choisir notre prochaine destination. Je vais monter dans le cockpit. Ah, il y a peut-être des balles incendiaires, je sais pas, Astro, ouais. C'est, je sais pas, c'est bizarre. Alors, nous étions là. Nous avons une quête pour Larry Parker. Oui, bah allons-y. Allons voir ce bon Larry. Où est-ce donc c'est par là. On peut gagner un avion si on va voir un John Seed. Non. Non. Oh. Les avions, c'est après, c'est... Alors, c'est rigolo parce que ça va vite et tout, mais c'est pas très pratique. Enfin, c'est moins fun en fait. Oui, bah oui. Pour le coup, c'est vrai, dans les Far Cry, à chaque fois, moi, je m'éclate en hélicoptère, quoi. Parce que voilà, c'est quand même relativement maniable et. Tiens, si tu veux t'amuser, il y a des connards apparemment. Ah. Oh, sans déconner, ça a pas pris? Mais tu vises trop bien. Ah voilà quand même. Non mais je suis un peu en biais en fait. Non mais enfin je veux dire les deux premières que t'as lancées pour moi ça marchait complètement. Hein. Ah ouais. Quelle connerie. Bah j'en ai eu, c'est bon. Ah très bien. Ah. Sur le côté gauche. Ah bien, bon tu l'as ralenti. Oh là là, superbe. Oh, quel tueur. Toi, t'es un vrai américain, putain. America! Fuck yeah! Leif Gorpson! Yeah! Il tue des rednecks! Where is? Ah, c'est juste à côté, du coup, le point a disparu, attends, mais ça doit être juste là. Pas. Attends, bouge plus. Il y a quelqu'un qui a essayé de me tirer dessus. Ah, le mec dans son champ tout seul, là? Ouais! Et qu'est-ce qu'il fait? Ah mais il a des pop. Bah ouais, j'ai touché mais il a des pop. Pff, d'accord. Vas-y, tu peux y aller. Super. Bah en fait on est arrivé à destination pour le coup, c'est genre là quoi. Je mets l'hélicoptère hop. Attends, j'ai pas sur la route. J'ai failli sauter en mode bon bah ok. Oh y'a Tremolo qui est là, il lurk, c'est gentil ça. Je suis en cours mais la queue de la fac est bonne. Merci Tremolo, c'est adorable. Nice déçu. Le mec qui risque sa vie étudiante pour me laisser une petite vue, quoi. Ça, c'est adorable. Ok, nous avons affaire à un génie de l'info. Oula! Ah ouais, d'accord, le mec il s'est fait une truc Tesla. Qu'est-ce que j'entends? Qui va là? Montrez-vous! Mais il est fou! Bonjour! Oula! Ça va? Recule, connard! Mais merde! Mais sans deck ? C'est complètement con. Désactiver. Alors, générateur. Ah, ouais, voilà. j'y suis. Tac, il y en a d'autres. Ah, il y a un coffre-fort, je m'en occupe. Comment est-ce qu'on fait déjà ? Utilitaire, c'est ça. Le prof est pas encore là. D'accord, profites-en. Ah putain, t'as déjà fini le truc. Bien joué. Ah bah, c'était pendant que tu ouvrais le coffre. Du coup, il y a des sous dans le coffre, si tu veux. Oh, trop bien. Je peux pas faire gaffe à combien. Là, les sous. Ah. Petite BD, là. Bien, mais toujours ça à prendre. Fais pas le contre Emolo, vite. Va-t'en du live. ok. Ah, t'es là. Qu'est-ce qu'il veut, ce bon Larry, du coup? Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que je ne fais pas plus de deux spectacles dans la même soirée. Anne m'a dit que les secours arrivaient. Donc, ce n'est pas une coïncidence.
On s'en fout de ces histoires de secte. C'est juste une distraction. Vous et moi, on a bien plus important. C'est en l'heure que mais je dois suivre le cours sur le conflit israélo-palestinien, c'est passionnant. Ah bah yes, profite bien du coup. Profite bien. Global. Je peux pas vous en dire plus. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Ils cherchent des mots-clés pour nous repérer. Oh putain, c'est encore un conspi. Encore un. En même temps, on est aux États-Unis. Ouais, j'avoue, en plein Montana, bon. Comment te dire, c'est oui. Pas le pays des conspirateurs, ça. Oh, j'avoue. Ouais. Parce que sinon, ils connaîtront tout de notre plan et on pourra jamais les prendre par surprise. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est parti. Ok, donc tu es complètement fou. Rejoignez la tour de communication Purple Top. Ah, il y a un sac là. Ah bah tiens. Merci. Vas-y, je conduis. Allez. Attends, il y a des connards qui arrivent ou quoi? Comment ça se passe? Non, c'est bon. Ouais, ouais, j'ai cru voir des connards aussi. C'est bon. Je suis là. Oh, t'es beau. Ok. Il me semble que c'est... Enfin, c'est pas là le... La mission magique là. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Plus tard. De toute façon, on finira bien par la faire, cette mission, avec le fameux t-shirt. Ouais, mais j'aimerais bien la faire avant la fin du jeu, quand même. Ah bah, de toute façon, on finira le jeu après avoir fait les missions qui nous intéressent, de toute manière, donc... Oh, c'est qu'il y a du monde là-haut, en bas. Ah ouais, je vois pas trop, là... décale-toi sur la gauche, du coup. Ouais, yes. Vas-y, je vais descendre et je vais me poser. Encore du monde. Hop. On va éviter de tuer. Le premier que j'ai. Enfin, le deuxième que j'ai tué, il était en train de faire du ragdoll dans un arbre, c'était ridicule. Aïe, 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 aïe. M'étonne. Qu'est-ce que se passe-t-il? Allez, toi, dégage. Ah, c'est des connards là-bas, là. Oh putain! Ah, le mec il balance de la roquette comme ça, quoi. What? Il est où? C'est bon, je crois que je l'ai eu. D'accord. Voilà. Ah, il y a un connard qui peut donner l'alarme, attention. Je le vois pas encore. Mais il est loin pour le coup. Merde. Ah, c'est bon, bien joué. Ouais, bravo, bravo. Alors, détruisez les paraboles, nous dit-on. Pour les détruire? Bah, ouais, il y a 5 paraboles a priori à détruire. Et on les détruit comment, ces trucs? J'imagine. Bah, je sais pas, faut peut-être interagir avec. On peut monter ou pas? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Ah, yes. Attends, je vais monter aussi, le point de vue sera joli. Surtout s'il part à la parabole mort, enfin est détruite en même temps qu'on est dessus. Mais ça pourrait être drôle, ça. Ça pourrait être très drôle. Oui, attends, putain, mais c'est bizarre le point de vue là. Je sens qu'il va falloir couper des câbles. Oh non, c'est juste des petites paraboles de merde. Oh. Bon, attends, je te laisse montrer pour te montrer ce qu'il faut détruire. Ah oui, putain, attends, hop, j'ai cru voir ça. Ah oui, c'est très très petit, ouais. D'accord. En effet. Ouais, c'est pas la folie. Bah, elle est où l'autre? Attends, ah, je l'ai vu, mais je voulais pas descendre. Ah, elle est là-haut. Ouais. Bah, attends. Faut faire le tour, choper le grappin. J'ai pas envie de me casser la margoulette non plus. Hop. Putain de conspi de merde. Oh non. Ah, alors t'es pas obligé. Accrocher. Ah putain, faut s'accrocher au truc. Allez. Coucou. Il mourut. Ah, t'es mouru?
Ah merde. Putain, mais il arrête pas de bouger ce con, voilà. Bon bah bah reviens quand tu peux quoi. Dans une seconde. Je suis là. Mmh. Très bien. La pression, moi je la bois. Oh. Ouais, putain, les dialogues fleuris quoi, c'est génial. C'est magique. Non mais c'est magique. Non, les gros enfoirés d'enculer de leur bite. Les aliens sympas sons, qui vous mettent des sons dans le rectum. Yes. Très américain tout ça. Oui. Aïe. Comment ça accroché à la vie? Bah je sais pas. T'étais tête un peu haut. Bah non, en fait j'ai atterri, alors je me suis fait un peu mal en atterrissant, mais voilà, c'était tout. En fait j'ai l'impression que le jeu m'a fait à moitié remonter, et je me suis pris les pales, c'est très bizarre. Attends, y'a Bambi qui nous dit quoi? Je te laisse tuer des gens, hein. Ah ouais, vas-y. Gus qui prend bon pour envoyer MP à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte pour Jazz. Ah oui, c'est son chat, du coup, il est tellement adorable comme mec, il y a au moins 200 personnes dans la cagnotte, dont des gens cringe en plus. Ah putain. C'est adorable ça, oui en effet Gueuse il est vraiment cool. Le P était personnel en plus et a demandé des nouvelles avec le taf et tout. Ah putain c'est trop gentil. Ouais, vraiment Gueuse, enfin bah, Gueuse c'est le seul... Une belle fiesta. J'arrive. Gueuse, ça je le dis souvent mais c'est vraiment le seul gros streamer entre guillemets. C'est un petit gros. Un petit gros streamer que je suis. Il est vraiment cool, n'hésitez vraiment pas à aller sur sa chaîne. Il est très sympa. Alors attendez Larry. Ouais c'était pas un MP copier-coller. Non mais oh, c'est super cool quoi. Et Nico du coup qui bosse, il entend ça sans contexte, il facepalm. Nos trucs sur les extraterrestres. Ah oui, les enfoirés de la bite, les aliens sympas qui se sont des rectums. Classique. Oui. Moi, c'est du classique. Qu'est-ce qu'il fout dans les buissons là? Il fait caca ou quoi? Je sais pas. Ouais, bah va regarder Nico. Après, tout son contenu ne m'intéresse pas à titre personnel. Je sais que par exemple, là, les 2-3 dernières fois où je l'ai vu, il y a eu au moins une ou deux sessions de déballage de Booster Magic. Donc, c'est pas mon délire. Mais en fait, le mec est cool. Le mec est cool, on peut quand même papoter sur son chat. Et donc, c'est vraiment chouette, quoi. Pour moi, c'est un peu la limite des gros streamers. Disons qu'au-delà, après, tu peux plus discuter, même si les mecs sont cool et tout. Lui, il est chouette, quoi. Ouais, Nico, j'ai tiqué aussi sur le mot Magic. Alors, si vous aimez Magic, ouais, bah lui, il aime beaucoup Magic. Là, il a fait ouais, au moins 2 openings de booster, là, récemment. Je crois qu'il a eu une ou deux mythiques, en plus. Bon, après, moi, j'y connais vraiment pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai cru retenir du truc. Oh, ça a l'air sympa, ça, ces streams-là. Oh putain, des échantillons aliens près du crop circle, t'as le combo, il manque juste les bovis quoi. Mais c'est ça. Non, les bovis sont les auras dans le crop circle. Ah oui, non bah évidemment, le taux énergétique de la colonne tellurique, évidemment. C'est ça. Yes, allez c'est parti. Bah, écoute, vas-y. Hop, oh bah allez. Je vais prendre son chat, hop là, hein. Je suis là, c'est quand tu veux. T'as lâché un follow, ah bah c'est gentil, merci pour lui Nico. J'irai voir aussi. Ouais, faut vraiment pas hésiter. Hein. C'est très safe, c'est très cool. Les gens sont gentils. Oula, en effet. Alors, nous avons un barrage en bas sur la route. Si tu veux faire muse. Alors, toc toc. C'est un barrage, ça? Oh, en tout cas, c'est un véhicule qui est en plein milieu, donc je sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait du monde. Ouais, bon, bah, j'ai raté. C'est pas grave. Alors, est-ce que j'atterris en plein milieu du crop circle parce que je n'ai aucun respect? Bah fais attention à la colonne tellurique et à l'énergie des enfants cristal. Tout ça, hein, quand même, tu sais. Évidemment. Bah, tiens, oui. Bah.
Ah non, ils sont là-bas, les connards. Plein milieu. Ah putain, pas loin, quel dommage. Très bel atterrissage, mon bon life. Attention, on se fait avoiner le cul. Ah, c'est un gros. Boum. Boum. Oh non, mais là, j'ai tout foiré, moi. Oh, je m'en suis pas mal sorti pour le... Alors, donc, il faut trouver des objets extra... Oh. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Bah, un objet extraterrestre. D'accord, il y a des aliens dans le lore du jeu, je me souvenais pas de ça. C'est plus non plus. Pourquoi pas. Alors, la zone de recherche... oui, elle va jusqu'où, la zone de recherche? I don't know. Bah, là où j'ai mis, l'hélico. Ah, évidemment. Enfin, il y a, la zone, donc je pense que c'est dans tout le crop circle. Ouais, exactement, ouais. Il y a des dindons, là où je suis. Des bons dindons. Je me fais attaquer par des dindons. Ah, il y avait un bruit étrange d'alien. C'est vrai qu'on peut piller les dindons pour le coup. Ouais, ça nous prend des plumes. Des bonnes plumes. Alors, et dans le prochain, c'est très dans le silo là-bas. Ah oui. Je me fais attaquer par les... Attention à votre océan et les histoires d'extraterrestres. Oui, non, mais y a que les aliens sympas qui sont des rectums. Et je veux dire, s'ils sont sympas, s'ils demandent s'il vous plaît avant de t'enfoncer un truc de la taille d'un extincteur dans le fiac, bon, je veux dire... Alors, moi, je refuse, sauf s'il me demande si un petit s'il te plaît. Attends, voilà, si un s'il te plaît, c'est cool. Hein. Si un s'il te plaît, c'est obligatoire, c'est bon, y a pas de soucis. Comment on fait? Oui, c'est une bonne question. Alors, attends, on va voir si... Pum, pum, pum. Ok, j'ai trouvé. T'as trouvé? Mm-hmm. Alors, où est-ce que t'es? Suis mon adorable petit... Popotin. Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu. Le consentement, toujours consentement, évidemment, Astro. Tout à fait. Très important, le consentement. Yes. Mais ta gueule, le piaf, là. C'est le piaf de l'Amérique. C'est ça. Voilà. Ah, yes. Bon, alors, le prochain, il est août. 3 sur 4, en effet. Reste au milieu. Bon bah écoute. Bah dans le crop je pense hein. Non. Bon, je me suis un peu cassé la gueule. Quelqu'un? Ah, je me fais avoiner. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un connard. Il y a des connards. Ouais. Bien joué. Alors, Ah, foiré! C'est qui? C'était peut-être un des piafs? Y'a pas un artefact alien là dans le coin? Oui, en effet, parce qu'il y a plein de piafs là. Ah non, je suis plus dans la zone de recherche. Oui, c'est un piaf. Ah, c'est un piaf qu'il faut déglinguer? Non, mais en tout cas, c'est un piaf qui me fait chier, donc... Ah oui. Putain, mais crève! C'est pas possible ça! Oh! Oh joli! Mais tu vas mourir, espèce de piaf! Oui! Voilà, merci! Oui. Mec, oui. Je l'ai trouvé! Où est-ce que t'es? Là! Tu viens me pinguer un chien! Ah, sans déconner, c'était ça! Coucou toi! Le potifier! Coucou toi! Oui! Oui, t'es un bon chien! Voilà, merci! Oh, gentil chien! Le potifying! Ok. Mais elle est pas finie la mission, faut qu'on lui rapporte les trucs! C'est quoi ce pigargue de la taille d'un condor? Ouais, mais c'est l'Amérique, mec, tu peux pas tester! Américain, voilà. C'est un pigargue américain! Alors. On va reprendre l'hélicoptère, peut-être. Bah oui, évidemment. Enfin, je sais pas, il a dit de lui ramener, mais il n'y a pas de suite de mission.
Donc. Ah, j'avoue. C'est bizarre. Ah, si, par contre, là j'ai pingé Larry Parker. Donc il a encore une mission au pire, donc on peut aller voir. Je pense que c'est la suite. Ouais, bah on va faire les missions de Larry ouais, Parker. Ouais, ouais, carrément. C'est drôle de faire des missions pour en éliminer. Oui. Alors où est-ce que c'est? C'est par là. Hop. I'm here. Allez. Bien joué, Astro, tu as mangé du caca. Ah, vive le caca. Ah, le caca. Le bon caca. Mmh, le caca, c'est délicieux. Oui. Alors, attends. Tout à l'heure, j'avais vu un silo rouge là-bas. Ah, il est là derrière nous. Attends, ah oui. Attends. Bah, autant qu'on le fasse, vu que tu l'as repéré, il est où? Alors, non, à gauche. Tout droit. Avance. Ok. Normalement, il est par là. Où ça donc? Alors je vois plus rien. Ah oui, je vois, c'est bon. Il était caché avec les arbres. Il est droit devant nous là. En effet. Et attention, chaud devant. Oh superbe, bravo. Ah, il y en a plus qu'un. Ah oui, putain, 13 sur 14, bien joué. Ok, alors Monsieur Parker. Yeeha! Oula. T'as sauté? Ouais. Ça fait une grosse secousse sur l'hélicoptère, c'était n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Oui. C'était pas prévu. Non, je pense bien. Ok. Tu sais, mais dire qu'au départ, je pensais que c'était un inventeur de génie. Non. Non, c'est juste un abruti. Yes. Oh, et d'ailleurs, ça y est, le condensateur laser dynamique est prêt. Condensateur laser dynamique. Ça fait un bon nom de groupe. C'est pas mal. Je suis seulement pressé de passer à la suite avec un truc un peu novateur qui justifie les. C'est pour un groupe de rock new wave. J'ai juste besoin d'électricité, mais le réseau local n'y suffira pas. Et je sais ce que vous pensez, mais il est hors de question que j'invoque la foudre. Non, merci, j'ai déjà donné. Bon, le transformateur au nord d'ici devrait fournir assez de watts. Il faut juste qu'on redirige toute l'électricité jusqu'ici. Pour une utilisation, ça devrait suffire. Je vous donnerai les instructions par radio. 1,21 gigawatts. C'est ça, mon dieu. Mais dingue, c'est quoi un gigawatt? Le gigawatt, quoi, putain de merde. Le gigot. C'est ça, le gigot, what? Ça, on me l'avait fait pour le coup quand je bossais à Micromania. Il y avait des gros bouseux qui venaient en disant hey, je prends une PS4, celle avec 500 gigots là. 500 gigots, yes, c'est parti. Bah, pour les gigots, vous irez voir la boucherie du Leclerc hein, par contre. C'est ça. Ah putain, j'en ai eu des sacrés. De, moi, je dis, hein. De quoi? Ça fait beaucoup de barbac. Oui. 500 gigots, ça commence à faire, ouais. C'est ça. Mais ouais, non, j'en ai eu des sacrés hein, quand même. À Micromania, des fois. Ouf. Oh, mais en fait, je pense que dès que t'es en contact avec le public. Oui, de toute façon, oui. Tu as des sacrés. Sacrés spécimens. Ah, il y a une porte. Ah oui, tiens, bien vu. Aïe, je me suis trompé. Ah, c'est ça. Alors, je vais interagir. Voilà, manipule bien. Ah oh oui, je m'en dis. Ah oui. Oui. Toc. Hop, le suivant, on continue. Vas-y, continue, je te regarde. Toc. Hop, 3 sur 5. Où est le reste? Ah, en haut, ouais, vas-y, parfait. Ah, y'a du monde! Je m'en occupe. Oh! C'est toi qui as fait ça? Non. Oh putain, mais comment j'ai fait ça moi? Je comprends pas. Je sais pas. Je tirais avec ma petite, avec mon petit FAMAS et ça fait péter deux véhicules. Je visais les gars en plus, hein. Bon, là c'était lance-patate, donc c'est normal. Hop, dégage. On est tous les deux lance-patate. Moi je tire d'en haut. Ah, il faut que tu prennes la tyrolienne pour faire l'autre. Oui.
Oui, les perles de... Oui, en effet, Astro, c'est vrai. Revenez me dire au revoir. Te dire au revoir. Il va se faire abducter par des aliens, je suis sûr. Oh, ça, je le sens tellement fort. Je le sens à donf. En vrai, je viens de finir de discuter avec lui parce que je n'osais pas le déranger plus que ça. Il est tellement gentil, ce mec, putain de merde. Clairement, une de mes meilleures découvertes Twitch avec Nico. Oh. Bon. Mais écoute, tu lui fais un bisou de ma part si jamais tu papotes encore avec lui. Ah non, tu viens de finir de discuter. Bon, bah tant pis. Mais ouais, Gus, de toute façon, oui, clairement, ça se sent qu'il est adorable. Puis bah ouais, on l'avait rencontré. Et puis bah, il est aussi adorable que sur ses lives. Pour le coup, il est très naturel. Ça fait plaisir. C'est pas un mec qui se la joue devant la caméra, mais qui est un gros fils de pute derrière, quoi. Et là, s'il y en a quelques-uns comme ça. Ouais. Plus que quelques-uns, d'après ce que je crois comprendre jour après jour, mais bon. Ouais, mais je voulais pas monter, moi. C'est pas grave, tu es arrivé au même résultat. Alors, bonjour Larry. Je l'étais, avant de devoir réparer les générateurs. Grâce à vous, vous ne pouvez pas partir. Ah merde, putain. J'aurais aimé pouvoir vous emmener. Oh, c'est trop gentil. Grâce à vous, Anne et moi allons pouvoir sauver la galaxie. La galaxie, carrément. Moi aussi, j'aurais aimé que vous nous accompagniez, mais c'est trop dangereux. Anne m'a demandé moi, et moi seul, et on ne peut pas compromettre la mission. D'accord. Mais ça n'a rien de personnel. Vas-y, on te regarde. Vous avez réussi. Vous n'avez plus qu'à admirer les effets de votre remarquable contribution. Je veux bien, mais loin. Soit il va se faire abducter ou un truc comme ça, soit il va griller sur place. C'est obligé. Ah, je veux le voir griller. Allez, je te laisse appuyer. Tiens. Allez, je te laisse aux premières loges, vas-y, regarde-le bien. Non, il va griller, c'est obligé. C'est obligé. What? Ok. Il y a eu une grosse lumière verte quand même. C'est le... Ah, il a laissé un truc ? Oui, le gros canon. Ah oh merde ! Et ses chaussures. Et les chaussures, bah pourquoi pas, écoute. Hein. Bah vas-y, chope le gros canon, parce que tu sais, moi, comme j'ai un inventaire limité pour les armes... j'ai gagné un abo chez lui, j'imagine que je te le dois, mon Bambi. Bah tiens. Je vais le mettre là. Alors Guz a lâché YouTube alors qu'il aurait pu être un géant français. Je rappelle qu'à l'époque il était comparable à JDG, Bob Lennon et Wonkill Studio, principalement parce qu'il trouvait l'univers YouTuber toxique à en crever. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très très sain. Non, bah bon, après il y a des mecs qui sont toujours cool quoi, mais wow. Alors du coup ça fait quoi ton flingue là? Parce que ça fait un... Ouais, attends, alors bouge pas, que je l'admire un petit peu, parce qu'il est quand même plutôt joli, hein. J'aime bien le design du truc. Ouais. Faudrait qu'il y ait des gens que je puisse le tester. Ouais, bah écoute, on va en trouver. Alors, la map, qu'est-ce qu'elle raconte, la map ? Il est plutôt sympa. Oh, attends. Ah, je vois un silo à côté. Attends, je ping un truc parce que sur la map, il y a un silo. Ah oui. Et on l'a pas fait, celui-là ? Bah, je sais pas, du coup, mais je crois voir un truc rouge, du coup. On va aller voir ça. Je crois le voir aussi. Mais ça serait bizarre, je pensais l'avoir défoncé déjà. Non, on l'a défoncé. Ah non, non, il est explosé. Oui, il est complètement explosé, ouais. Ok, d'accord, bon. C'est ça, Nico. Non, ouais. J'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Nous avons l'expiation, un objectif à False End qui est juste à côté. Là. Bah, vas-y, je voulais le tenter. Ah bah, aussi. Très bien. Bonne taille. C'est pas chargé, c'est juste un gros répulseur. Donc tu peux pas charger le tir ou un truc comme ça, tu... D'accord. Bon bah... On va voir. Hein. Ah ouais, puis ça met du temps pour se recharger en plus. Ah oui, attends, c'est la mission pour retrouver John Seed. Ouais. Ah attends, on n'a pas des trucs annexes à faire à côté? Bah si, mais... Parce que attends, ouais voilà, on peut-être va faire ça tout de suite en fait, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais non, mais si tu veux, ouais, pas de soucis. Mais il y a plein de... Il y a un vieux silo là-bas qui est pingé, je sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs à faire. Hein. Ouais, bah vas-y, faisons les autres trucs un petit peu quand même. Hein. Alors, parce que là, oui, on est toujours dans la région de John, effectivement. Dans il le y a un silo ici. Alors, il est un peu loin, mais... Oh, bah attends, mec, il y a plein de trucs à faire. Ouais, très bien.
Alors, détruisez les silos à grains, ok. Récupérez les briques. Parce que notre dernier silo, okay. Il est là, hein, pour le coup. Hop. Tu l'as trouvé? Ouais. Attends, je vais prendre l'hélicoptère, bouge pas, t'emmerdes pas, je vais le chercher, je viens de chercher. Ok, moi je regarde les quêtes annexes qu'on peut faire. Ça roule. Récupérer toutes les BD, détruisez tous les sanctuaires d'Eden Gate. Ouais, les sanctuaires aussi, ouais, aussi, effectivement, ouais. Les BD, tout à l'heure j'en ai chopé une, je crois que c'était à la 5ème sur 12, mais bon. Les collectibles, comme ça, en vrai, ça me chauffe que moyennement. Pareil. Bon, très bien, on est d'accord là-dessus. Alors, petit hélicoptère, zou. Il faudrait rejoindre... Merde, j'arrive Follower. Ce que nous avons récupéré. On peut compléter deux missions, là, si tu veux. Ah bah yes, excellent. Donc, tu veux qu'on y aille? Ah ouais. Hop, je suis là. Ok, alors, t'es où? T'es là. On va se faire le silo aussi, tant qu'à faire. C'est bon, tu es là? Oui. Ouais, je suis là, vas-y. On va se faire le silo, il est un peu loin, mais au moins comme ça, ce sera... Enfin, un peu loin, il est un kilomètre, ça va, c'est pas la mort. Oui, non, c'est pas fait. Surtout en hélico, ça se fait vite. Salut, oups, comment ça va? Alors, si tu es en quête d'un jeu cérébral avec des gens intelligents, tu es à la bonne adresse. C'est ça. Ça va, ça va. Enfin, lui, il passe son temps à s'excuser auprès de Nana pour le comportement de son acolyte YouTube qui est... Oui. Oui, c'est vrai. Ah putain, c'est chiant. Ouais. Alors, le petit silo, du coup... Tourne à gauche et je te le fais. Hop là. Oh, superbe, là. Voilà. Oh, fallait faire. Allez, ouh, 3,5 km par contre, l'objectif. C'est parti. Oui, là, pour le coup, ils étaient un peu loin. Hein. Avant, c'était 2 km. Oui, bah écoute, de toute façon, faut le faire. 200 et 2 km 500. Donc, faut le faire. De toute façon, on est en hélicoptère, ça va vite et puis c'est joli. Donc, voilà, quoi. C'est ça. Oui, salut. Oups, en fait. Ouais. Et oui. Ah, oups, tiens, tant que tu es là, vu que tu es sur le Discord, n'oublie pas de te rajouter les rôles. Hein, les rôles des streamers qui t'intéressent pour accéder à leurs sections respectives et ainsi participer aux discussions nombreuses et variées qu'on met en place. Je fais des petits rappels comme ça quand je suis en live, parce que tout le monde ne l'a pas fait. Bon, après, c'est pas du tout une obligation, mais je signale le truc comme Bambi a mis ça en place. Alors, je suis allé me renseigner sur la voiture qui m'intéresse, ça devrait être possible. Ah oui, tu m'avais parlé de ça il y a quelques temps. Ah bah c'est cool, je suis content pour toi. Bien joué. Je ne sais plus quel modèle c'était, parce que comme je t'avais dit, je suis pas du tout un connaisseur en voiture, mais tu m'avais parlé de ça, donc c'est chouette. Enfin, serrer la ceinture pendant 2 ans. Ouais, bah. Ouais. Et c'est quoi la voiture? Du coup, il va peut-être nous le redire. Moi, je ne sais plus. Mais oui, effectivement, c'était pas une Toyota Yaris comme la mienne. Donc, je crois que c'était une bagnole un peu stylax, tu vois. C'est bien, les Toyota Yaris. Ah oui, non, mais moi, je suis très content de mon automobile, c'est pas le souci. Salut Jimbo, comment ça va, le réunionnais? Salutations, Jimbo. Nous allons bien. Nous jouons à un jeu débilos. J'espère que tu vas bien également. Alors attends, quelle heure il est chez toi? Je crois que c'est plus 2h. Donc il est 19h chez toi. Tu vas peut-être pas tarder à bouffer, tout ça. Bon appétit, oh, en avance. La Mazda MX-5. Voilà, la Mazda MX-5. Neuve. Oh putain, d'accord. Bah d'où le fait qu'ils disent je vais me serrer la ceinture pendant 2 ans, quoi. Ah oui, bah oui. Non, mais MX-5, elle est sympa, ouais. Bah écoute, de toute façon, c'est la voiture qu'il désirait ardemment, et bah je suis bien content pour lui, voilà. Tu vas bien, parfait. Parfait, Jimbo. Tout le monde va bien, c'est trop bien. Merci de passer, en tout cas, dans la fosse à purin, bande de petits coquins. 180 chevaux avec le toit ouvrant. Ah, le petit toit ouvrant et tout. De quoi se mettre bien. Ah, sois prudent sur la route, quand même, hein, petit coquin. Ah, il est 19h, c'est ça. Attention, chaud devant. Oula, qu'est-ce que tu fais? T'es sorti? Ah, ah, bon, je saute. Ah, il est sorti. Tu sais qu'il faut faire gaffe, parce que si tu sautes et que moi... Je diminue en altitude, je vais te couper le mulet, hein. C'est un risque à prévoir. Espèce de fou. Hop là. Tac. Merci mille fois. Tu m'as évité de m'enfoncer dans une bonne grosse dépression bien tassée. Eh, on était déjà venu le voir, ce mec-là, non? Ah oui, c'était juste pour rendre la mission, hein. Ah oui, la collectionnite, oui. Si le genre dessus, ça peut aller, sinon c'est pas très pratique, oui. Voilà, et on a gagné un t-shirt. Waouh.
On joue à quoi? On joue à Far Cry 5, du coup, en coop, avec l'ami Life, ici présent. L'espèce de beau gosse torse nu avec un mulet de l'enfer, là. Et un lance-patate. Bah, sinon, c'est pas drôle. Attends, je change. Voilà. Non. Voilà. Attends, je fais un... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a toujours pas essayé ce machin-là. Hein. Exact. Ok, donc ça fait des gros rayons. Attends, si je tire sur une meuf, ça fait quoi? Et ouais, du coup... Voilà, ça fait rien. Bon. Du coup, on joue à Far Cry 5. Alors moi, je l'avais déjà fait par le passé. Life, je sais plus si tu l'avais déjà fait, toi. Le 5, non, je ne l'avais pas fait. Ouais, tu l'avais pas fait, voilà. Et du coup, moi, je le découvre en coop et Life le découvre tout court. Et en fait, c'est un Far Cry, donc c'est complètement con. On s'est déjà vu et revu mille fois. Mais en fait, le 5, il est tellement débile que c'est très, très drôle de le faire avec un copain, quoi. Ah, t'as jamais joué à Far Cry, tiens, oups. Bah, en vrai, le 3 était très bon à son époque. En son temps, vraiment, il avait donné un énorme coup de frais au genre FPS, notamment en open world. C'était vachement cool. Et après, vraiment, le 4, le 5, et même là, le 6 qui est sorti ou qui va sortir. Donc, il va sortir. Bon, c'est vraiment des photocopies. Mais ça reste fun, en fait. Ça fait partie des AAA que je fais de temps en temps à petit prix. Parce que c'est, voilà, c'est déjà vu mille fois, mais ça reste marrant, quoi. Bah, le 3 était très, très, très bien. Le 3 était très bien, ouais, surtout à l'époque. Maintenant, je pense que si tu le fais, tu diras « Ouais, mais j'ai déjà vu ça plein de fois dans d'autres jeux, en fait. » Et t'aurais pas tort. Mais par contre, il y avait un méchant très charismatique, la Vas Montenegro, qui était excellent. Par contre, dans le 5 qu'on fait, là, en fait, c'est une famille de tarés dirigeants d'une secte qui a asservi une partie du Montana. Et bah, pour le coup... Ouais, je suis là. Le chef de la secte, Joseph, est très charismatique aussi. J'ai presque tendance à le préférer à Vas. Même si Vas est vraiment très bon, évidemment. Et en fait, il y a aussi sa fratrie qui dirige des parties de la zone qu'on est en train de pacifier. Et donc, non, les méchants sont assez intéressants, je trouve, dans le 5. Et la fin est très cool. Alors, évidemment, je ne la spoil pas, parce qu'en plus, Lev ne la connaît pas. Mais la fin est très surprenante pour un jeu AAA bas du front, comme ça. Et donc, en vrai, bah, ouais, le 5, il peut être à faire, quoi, si vous avez... quelques euros qui traînent un jour où il est en promo, ma foi, pourquoi pas. Comme quoi, être bas du front et intelligent ne sont pas... Oui, c'est pas incompatible. Bon, après, de là à dire que Far Cry est un jeu intelligent, faut peut-être pas abuser, oui, mais... Non, mais le gameplay de base est con au possible. Ah oui, oui. Mais l'histoire est quand même plutôt pas mal. Oui, c'est sympa, ouais. Après, Oups a dit qu'il avait testé le 3, il avait pas accroché, il a dû jouer 2 heures. Bon, bah après, oui, c'est un style, hein. C'est un style, mais ouais, j'aime bien faire ça de temps en temps, tu vois, pour la pure détente. C'est voilà, tu te prends pas la tête. Le jeu est plutôt joli. Il est pas non plus vérolé de bugs. Hein. Il y en a quelques-uns évidemment parce que bah c'est Ubisoft quoi. Mais c'est pas l'enfer sur Terre non plus. Tout à fait. Donc oui, c'est clairement le jeu AAA détente que je m'accorde à faire de temps en temps. Même si clairement, je suis le premier à cracher sur ce genre de truc. Tu t'es lâché sur les photos que tu auras sur le serveur. Ah, excellent, oui, c'est vrai que t'en avais plein à... T'en avais plein à mettre, là, tu m'en avais montré en privé. Ah, il y a encore des... Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la boutique. Bah non, mais je rendais la série de caisses vinyle, mais ouais. En fait, il y en a encore 4 à faire. Ah, merde. Bah, ouais, bon, après, les collectibles, oui, comme bah, on disait, voilà, si on tombe dessus, tant mieux, mais on va peut-être pas se faire chier à les chercher non plus. Ah bah non, clairement pas, non. Par contre, j'ai vu une mission... Ah! Où ça donc? J'ai vu. En fait, on y était arrêté. Et je crois qu'on l'a mis de côté parce que c'est Skylark Corse. Et je crois que c'est un. Ce sera une mission de chasse, un truc à répéter ou un truc dans le genre. D'accord. Je l'ai pingé. Tu me dis si tu veux aller voir. Ah oui, non, mais allons-y complètement. Alors, tu l'as pingé. Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas chez moi? Parce qu'il y a peut-être ton ping qui fait interférence. J'ai un ping? Ah oui, j'ai un ping. Alors. Vas-y, monte dans l'hélico et t'y amène. Ouais, j'arrive Merci. De suite. Hop là, je suis. À toi. Bon appétit à toi, Jimbo. Je vais manger. Ah oui, bah des bisous. Et en effet, oui, il est 19h chez toi, donc bon appétit. Ne me dis absolument pas ce que tu vas manger parce que je vais déprimer. Et des bisous. Bah, le truc, c'est que la dernière fois, en fait, quand j'ai rencontré Jimbo, c'était sur un live de Tremolo, donc un autre streamer de la coloc. Et Jimbo est arrivé, et puis en fait, bah, j'ai vu son pseudo, donc Jimbo 974, en fait, c'est La Réunion.
Et comme j'ai vécu là-bas, on a un peu papoté de ça et tout. Et en fait, c'est parti en papote sur la bouffe. Et notamment la bouffe réunionnaise. Et putain, mais j'en pouvais plus. J'ai tellement envie de rebouffer des trucs de là-bas. On n'arrêtait pas de parler de rougail saucisse, de caribou canet, de samoussa, de trucs trop bons. Et Ah, les samoussas de la Réunion. Ouais, j'y étais allé quand j'étais petit. Et pour la petite anecdote, Donc ma mère avait demandé des samoussas à un vendeur local, tu sais, comme. Ouais, genre sur le marché ou un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, un petit truc dans le genre. Et a demandé des samoussas donc piquants et des samoussas pas piquants. Parce que nous, on avait, avec mon frère et moi, on avait trois. J'avais quoi 6 et 8 ans, je crois, un truc dans le genre. Ouais, donc tout jeune, en effet, ouais. Ou 9 et 11 ans, enfin bref, on n'était pas vieux, quoi. Ouais. Bah, on sait toujours pas lesquels étaient piquants et lesquels étaient pas piquants, hein. Oui. Ouais, c'est de la pêche, c'est ça. C'est de la pêche, ouais. Là, pour le coup, c'est à La Réunion que je me suis mis à bouffer un peu pimenté, tu vois. Lors d'une sortie scolaire comme ça, il y avait une bouffe entre camarades de classe et tout. Puis il y avait du rougail qui était là, et j'en avais jamais bouffé. Puis du coup, j'en ai pris, mais genre comme si c'était de la mayo, tu vois, genre en même quantité. En fait, donc le rougail, c'est vraiment l'accompagnement, en fait. C'est pas le plat, c'est l'accompagnement. Donc oui, comme de la moutarde ou un truc comme ça. Et putain, j'ai bouffé le truc et il y a tous mes camarades de classe qui m'ont regardé avec des grands yeux en mode ne fais pas ça. Et puis du coup j'étais ah merde merde merde. C'est ça. Et puis du coup mais j'ai trouvé ça bon malgré tout et par la suite quand ma mère en faisait et tout en fait je prenais des petites quantités pour me réhabituer etc. Et puis en fait c'est cool quoi. Oh la vache. Alors attraper un esturgeon nous dit-on. Ouais et je viens de voir l'endroit où il faut aller. 3240 mètres. Ouais. Bon bah, on va pas y aller à pied quoi. Non. Allez, je te relaisse piloter. Hop là. Oh si tu veux. Hein. Alors Astro, j'y pense. On a un super esturgeon réunionnais sur Montpellier qui est aussi vieux que moi et a gardé une bonne réputation. Oh salaud. Oh, je sais même plus s'il y a un restaurant réunionnais à Quimper, tiens. Faudrait que je me renseigne parce que putain la bouffe de la Réunion, il y a quelques trucs là. J'avoue que la bouffe réunionnaise. Ah, c'est carrément cool. C'est super bon. Après, je me pose vraiment la question, mais je ne sais pas si on peut réellement parler de bouffe réunionnaise au sens propre du terme, parce que la Réunion, en fait, c'est vraiment un melting pot de plein de cultures, et même ça se ressent dans la bouffe, en fait. Je ne sais pas s'il y a des trucs typiques réunionnais, ou si c'est des trucs qui viennent de un peu partout, qui mélangent, qui refont leur sauce, etc. Ça, je ne sais pas du tout. Ah, c'est possible, hein. C'est oui. Franchement possible, parce que c'est vrai que pour le coup. En tout cas, ouais, j'ai hein, de bons. C'est un melting pot de beaucoup de pays. Donc, ah oui, complètement, ouais. Je sais que ouais, quand j'étais là-bas, du coup, bah, j'avais sensiblement le même âge que toi. Je suis arrivé là-bas, je devais avoir 7-8 ans. J'en suis reparti vers 14 ou 15 ans. Et oui. Ouais, je suis resté longtemps, ouais. Mon beau-père qui avait une proposition de mutation là-bas, ma mère était chaude pour aller là-bas. Et bah, du coup, moi, j'ai pas trop eu le choix, entre guillemets. Et donc, du coup, je suis resté ouais, 7-8 ans là-bas. Et j'ai de bons souvenirs culinaires. C'était très très sympathique. Excuse-moi, je regarde un truc. Oui, il y avait une grotte à moitié là. Ouais, en fait elle buguait. Elle buguait, ouais. Blanc au fond. Ouais, mais j'ai vu la même chose, ouais. Ok. Non, mais ça va. Et ouais, du coup, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir ou de faire des trucs un peu fifou là-bas. Genre, j'ai assisté à un mariage tamoul. Et le truc qui m'a marqué, alors c'est déjà le nombre d'invités, c'était délirant, genre c'était 200 personnes, c'était n'importe quoi, voire c'est plus. Et je crois que c'était une famille un peu riche et tout, donc tu vois, enfin genre les festivités un peu barjot quoi. Et il y avait un sacrifice d'animaux. Ah. Genre une petite chèvre ou un truc comme ça et tout, et voilà, et le repas, ça, on mangeait tout à la main dans des grandes feuilles de bananier, en fait les feuilles de bananier c'était nos assiettes, et tu mangeais tout à la main en fait, tu sais, t'étais genre en tailleur par terre, et tu sais, puis t'avais tous les plats qui étaient sur, je crois que c'est une espèce de tapis ou un truc comme ça, c'est un grand tapis, enfin attends, il y a plein partout forcément. Et en fait, tu te posais avec ta fucking feuille de bananier. Et puis en fait, tu piochais comme ça, plop, plop, plop. Et tu mangeais avec tes mains. Tu te faisais un peu des petits pâtés de bouffe en mélangeant des trucs. Et puis paf, tu mangeais comme ça. C'était super. C'est sympa. Ah ouais, c'était excellent. Ouais. Ça devait être super quand même, super sympa. Mais c'est vrai que ouais, j'ai fait 2-3 cérémonies comme ça à Tamoul. Donc il y a eu un mariage et le reste, je sais plus ce que c'était. Mais c'est vrai que j'ai vu une chèvre se faire décapiter. Et puis une ou deux poules aussi. C'est bon. Ok. Bah les poules, encore, la volaille, ça me fait ni chaud ni froid. Mais il est vrai que
voir une chèvre se faire sacrifier. C'était. Ouais, c'était particulier. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de monde qui vient vers moi là? Ah oui, il y a du poisson qui vient. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Ah, je crois que j'ai foiré par contre. Clairement. Moi aussi. En fait, c'est à chaque fois mon problème quand je pêche dans Far Cry, je repense à la pêche de Sea of Thieves et qui n'a rien à voir. Voilà, c'est bon. Je crois que t'en as un là. Ouais. Allez, viens là, connard. C'est bon, tu l'as. Allez. Je crois que je vais pas pouvoir avoir toi parce que toi tu es en train de pêcher là. Ah oui, c'est possible. Attends, je vais me mettre ailleurs. Allez, viens là, connard. Allez, t'es pas loin. Allez. Allez, les filles. Yes, et surgeon, c'est bon. Parfait, je ramène la ligne. C'est bon. Poisson spatule, putain, il a une sale gueule. Pas une gueule de porte-bonheur. Pareil, à La Réunion, j'avais fait un tour de l'île en hélico. J'avais fait un tour en ULM aussi. C'était trop bien. Ah ouais. J'avoue, tour de l'île en hélico, ça va être sympa. Ouais, c'était carrément cool. Et en plus, quand tu fais le tour de l'île en hélico, en tout cas à l'époque c'était le cas, en fait, l'hélico t'amène dans un endroit qui, de mémoire, s'appelle le trou de fer. Et en fait, c'est un endroit qui est accessible qu'en hélico. Genre vraiment, c'est un trou. Dans la montagne, je crois, ou dans la forêt, je sais plus, mais genre un trou, mais ouais, balèze quoi! J'en ai entendu parler de ce ah, ça te parle, trou ouais. De fer. Ouais. Je l'ai pas fait parce que justement on y allait que à pied donc. Ouais. Ouais, putain, t'as des paysages là-bas quand tu fais des randos, si tu veux un peu te casser le cul à marcher, pouah là là! Ah bah, quand on était petit, on faisait que ça de toute façon, donc à un moment donné. Ah ouais, carrément, le volcan, je sais pas, j'ai dû le faire une demi-douzaine de fois, aller sur le volcan, c'est trop bien quoi. Tu m'étonnes. Par contre, j'ai jamais vu une éruption là-bas. Jamais, quoi. Je suis resté 7 ou 8 ans là-bas, il a jamais craché le piton de la fournaise. Avant que j'y aille, il crachait tout le temps. Après que j'en sois parti, il crache tout le temps. Ça m'énerve. Tu sais quoi? Ouais. Tu lui faisais peur. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. On se fait une petite cage de survivaliste qui est à côté. Allez, c'est parti. À côté de la maison des Laurel, peut-être. Je m'étire, Astro, oui. Là-bas. Peut-être qu'il y aura moyen de trouver quelque chose. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de thunes, etc. Je ne sais pas, mais... Non, mais en fait, moi, je cherche des quêtes. Oui, il y a ton micro qui sature, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Je cherchais des quêtes, en fait. Ah oui, d'accord. Je cherche des quêtes. Tant que je trouve pas de quêtes, je continue à chercher des quêtes. Sinon, ouais, mais on est Laurel, tata... Ouais, des coins de pêche, tout ça... Ouais. Mais bon, j'ai pas l'impression d'en voir des. Alors de l'autre côté du coup. Ah non, c'est dans la maison en fait. Qu'est-ce qui s'y passe? Viens voir. C'est moi ou c'est toi là, tu vois? Alors moi je me vois moi. Enfin, je crois que c'est moi le biker là, je crois que c'est moi. Hein. Bah écoute, moi je me vois moi donc. Oui, ouais, bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ouais. Un bunker inondé. Bunker inondé. 40 mètres et par là. Il faut trouver les clés du cabanon. Alors. Salut Ben, comment ça va? Salutations. Alors, trouver une clé de cabanon. C'était peut-être dans la maison que je viens de quitter, hein, tu me diras. Je suis en train de chercher. Ouais, tu cherches. Est-ce que c'est pas au-dessus, genre... LOL, on a mis la clé sur le toit. Bah écoute... Non. Visiblement non. Alors je vais t'accompagner dans tes recherches. Alors je cherche dehors, parce que ça se trouve, il est dehors. C'est les clés avec le porte-clés jaune, là, je pense, non? Truc qu'on cherche généralement là. Ouais, c'est ça, je pense. Ah, il y a une petite. Je pense que c'est au-dessus, parce qu'il y a une salle à l'intérieur au-dessus. Ah.
Ça peut pas être genre sous les caisses ou un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup de cartons. D'accord. Alors non. Ah, j'ai trouvé un coffre. Ah yes. Alors où est-ce que t'es? Je suis en train de le crocheter. Yes. Voilà. Il y a des petites thunes. Petit peu de thunes. Mais moi je pense que tu vois il y a une mission ici. Il y a une petite fenêtre ici. Alors une petite fenêtre. Ah, attends, putain, t'es où? Je t'ai perdu. Hop. Non mais de l'autre côté de toute façon, là, il y a des fenêtres là. Ah complètement. Et je pense que ça peut être là. Mais je ne vois aucun endroit pour y accéder. J'avoue. Est-ce qu'on peut monter sur le toit ici? Oui. Oui, on peut monter sur le toit. Mais après. Ouh. Ça marche, Ben, des bisous. Aïe. Ouais. Okay. Alors, bon bah non, je pense, hein, ça va être. Ah putain. Ça aurait presque pu marcher. Non, mais je me dis que ça aurait presque pu marcher, mais bon. Alors. Je cherche un peu partout. Hein. Ouais. Ah. Attends. Ah non. Salut Chris, comment ça va? Bienvenue sur le chat. Bienvenue dans la fosse à purin de Twitch. Donc non, de toute façon, ça, on peut pas y aller en tyrolienne. C'est vrai que ça me fume un peu cette pièce à l'étage là. Enfin cet étage tout court, d'ailleurs. Ok, c'est bon. T'as trouvé? Alors, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai eu un indice. Ah! Qui est là? Je l'ai lu, j'ai même pas fait gaffe en plus. J'ai rempli la voiture, il va falloir la finir. Ah! Ouais, une voiture quoi. Qu'il est dans la flotte. Tu penses? Bah. Pour trouver la clé de la remise. On réussira pas à vider le bunker à temps, j'ai rempli la voiture, il va falloir filer avant l'arrivée de la secte. Juste après, il y a quoi? On va devoir laisser ce qui est là dedans. Ça m'étonnerait que c'est cinglé. Mais ouais, ça c'est le bunker, ça parle du bunker qui est inondé quoi. Parce qu'en fait sinon le bunker il est là. Et bah je pense que les clés sont... Ouais ça va être ça du coup. Dedans. Alors... Bingo. Ouais bah évidemment, ouais. Putain c'était tellement simple. Ah oui donc là, oui c'est vrai qu'on peut pas taper quand on est en train de nager. Ah c'est bon j'ai récupéré la clé de la... Ouais ouais, je remonte. Oh non reste dedans. Je vais allumer le truc, comme ça va se vider en même temps. Ah oui, c'est vrai. Allez. Ouais, Far Cry 5, il est rigolo, ouais. Il est complètement con. On se marre bien, du coup, avec Life, donc c'est cool. Alors. Bon, bah, je patauge. Ça se vide. Ça se vide, en effet. Tranquillement. Paf! Oh, il y a des magazines de talent et tout, mon petit gars! Oh, trop bien! Il y a plein de munitions, plein de tunas. Je crochette le coffre. Oui, le coffre, en effet. Je l'ai fait solo, mais plusieurs, c'était marrant. Bah, justement, c'est exactement comme ça que je l'avais fait, tu vois. Je crois que c'était plus ou moins à l'époque de sa sortie, je l'avais fait en solo. Et ouais, ça faisait quelques mois, je me suis dit, putain, enfin, peut-être que je le refasse quand même, je l'avais chopé sur PC et tout. Je voulais streamer, à l'époque mon PC était pas assez puissant. Puis depuis j'ai upgradé mon PC, puis bah, Life, avec qui je joue, avait déjà streamé du Far Cry sur sa chaîne. Faut pas hésiter à aller voir d'ailleurs. Et puis je lui ai dit, mec, ça te dirait qu'on se fasse le Far Cry 5 un jour en coop, parce que je l'ai pas fait en coop, et ça peut être très drôle parce que le jeu est très con. Okay. Et du coup, bon, il n'en a pas fallu plus pour Life. Ah, non, moi, tu me proposes ce genre de truc, moi je dis oui tout de suite. Aïe, non. Commençant à te connaître et sachant comment t'es. Ouais, voilà. ça peut être que drôle. Oui, et ça l'est, donc. Ah oui, okay, bah, ça l'est. Oui, parce que bah, mine de rien, ça fait quoi? Ça fait 25 bonnes heures, je crois, qu'on est dessus. 20-25 heures peut-être. Vérifier, mais ouais, quelque chose comme ça. À peu près, ça doit être ça. Attends. On a joué 32 heures au total. 32 heures au total? Ah ouais? Il a été lancé pour 32 heures au total. Donc. Je vérifierai sur mes VOD parce que j'avais l'impression que le compteur sur le Ubisoft Connect il était un peu cassé.
Ah non mais après, moi je sais que j'ai joué un peu à Sans Toi parce que j'ai fait les trucs de jeu là que tu as. Les trucs d'arcade là et... Hein les, ouais les arcades. Ah oui. C'est assez drôle. Oui oui c'est rigolo comme truc. Alors est-ce qu'il y a des missions annexes dans la région de John encore ou pas du tout? Parce que sinon il reste du coup Fall's End pour en gros bah j'ai l'impression finir John pour le coup. Ah bah ouais. Parce qu'il y a des points d'intérêt, tu vois le Ranch Adams par exemple sur lequel je suis là, sud de la zone, sud-sud-est, en gros. Mais il y a un truc moi qui m'embête un peu. Ouais. C'est que on a encore Ray et son aviation. C'est vrai. Alors moi, j'ai... Bah écoute, vas-y, on va voir. Hein. On va voir. Je suis là. Parfait. Donc on va voir ce qu'il veut, parce que moi ça me... Ça ouais c'est étonnant, ouais. Parce qu'on l'a fait quand même ce truc. Bah ouais, on a... ouais après il y a peut-être une autre mission avec lui, parce que c'est vrai quand tu passes le curseur sur lui, il dit « Ah, il y a des connards, machin », donc... Bah c'est ça. On va y voir quoi. Ouais c'est juste à côté, ouais, c'est là. On va essayer de voir si parce que, mais en plus il me semble qu'il était parti avec sa femme. Ah oui, il n'y a plus l'avion. Bah alors il y a l'avion de l'autre côté là. Ah bah tiens. C'est toujours ça de prix. Oui. Mais ouais, je sais pas. Ouais, c'est un peu ça. Bordaké, le premier monde de jeux vidéo aux années 80. Ouais, c'est bah, plus ou moins la même chose. Mon plus vieux souvenir de gamer pour le coup, enfin de jeux vidéo quoi. C'est Arkanoid sur borne d'arcade, mais en mode table. C'est une borne d'arcade plate. Enfin horizontale quoi. Avec un potard pour diriger la raquette. Et ça, c'est vraiment mon plus vieux souvenir de jeu vidéo. C'était ça, je devais avoir 5 ans, quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde à l'intérieur? Bah ouais, non, mais on les avait aidés à dégager l'autre fois, donc... Bah ouais, c'est pour ça que je comprends pas. Je vais voir un peu à côté pendant ce temps-là, mais... Pour moi, on avait tout fait ici, quoi. Il y a un coffre à l'extérieur. Ok. Je suis en train de crocheter la porte pour accéder au coffre. Ça marche, j'arrive... On peut pas passer par là. Si tu n'as pas de gilet pare-balles, il y en a un. Ah bah yes, pourquoi pas. Si j'en ai un en fait. Ou alors je viens de le récupérer, j'ai pas fait attention, mais. D'accord. Ah non. Ouais, j'ai vu que tu t'es équipé d'un petit lance-flamme. L'homme alors, dangereux. J'aime bien, mais je ne veux pas. Alors, hop, prendre. Yes. Ah, il y a un festival de bourre-pif. Ah, yes. Déclenché par Oups. Il y a un sac ici aussi, si tu veux. Je crois que j'ai déjà pris celui-là. D'accord. Je vais en haut. Mais non, mais il n'y a personne, hein, je comprends pas. Bah, ouais, je. C'est bizarre, j'avoue. Parce que... Oh. Après si, enfin tu vois, il y a par exemple la ferme aux citrouilles de Réré, elle est encore là. Ah ouais. Bon bah c'est peut-être normal alors. Ouais, c'est peut-être normal du coup. T'allais lancer un festival de bourre-pif? Ah bah tu pourras en lancer un après. Attends, mais ça s'est pas lancé? Ah non, j'ai pas l'impression que ça s'est lancé. Ok, alors bougez pas. Je vais lancer ça gratos, comme ça Astro il pourra lancer le sien après. Peut-être parce que vous avez lancé deux en même temps ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, parfait. Toc, je repars sur l'écran de live. Et c'est bon pour moi. Hop, allez, c'est parti pour la baston. Putain, vous êtes nombreux en plus, hein. 1, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous êtes genre 8, un truc comme ça. C'est cool. Ouais, merci d'être là, les copains. Il y a 9 personnes en vue, donc peut-être que. C'est grave cool. Après, là, c'est que pour les subs aussi, hein, tu sais. Donc, ça se trouve, il y a quelqu'un qui n'est pas sub, mais qui. Qui est dans c'est le viewer. Fou. Mais non, c'est cool. Déjà, je pensais pas avoir autant de monde là. Un après-midi. Enfin, c'est pas. L'après-midi, c'est jamais glorieux, quoi. Non, c'est vrai. Oui, ta gueule, machin là. J'inspecte un peu la map, mais j'ai pas l'impression qu'il nous reste beaucoup de trucs. Hein. Parce que, alors, il y a les pièges à loups, enfin, les leurres à loups à détruire, mais bon. Pff. Ah, si! Là j'ai une mission, Skylar, bah encore une mission de pêche du coup. Ah c'est bah, Oups qui a gagné. Oh bien joué Oups. Bien joué Oups, je note ton...
ta victoire et je mettrai à jour le tableau accessible via le Discord, hein, bien évidemment. Far Cry 6, si je le fais, ce sera mais genre dans méga longtemps en fait, Chris, parce ouais, que je l'ai vu tourner et bon, ça j'ai déjà dit, hein, mais j'étais là, ouais, bah c'est un Far Cry quoi, aucune surprise, il y a rien de nouveau, c'est un peu chiant. Oui, peut-être un jour si je le trouve à 5 balles quelque part, machin, oui, pourquoi pas. Mais en soi, là comme ça, non, je vais pas les payer plein pot pour ça quoi. C'est mort. Bah, écoute, est-ce que on se ferait pas justement l'expiation ? Alors la si tu veux, le truc c'est que là, alors je sais pas si t'as fait gaffe, j'ai pingé un truc qui est un peu loin, mais c'est le truc de Skylar, c'est histoire continuer de finir les missions annexes, allez. Tu vois. Tu peux peut-être nous déplacer en TP, non ? Parce que là, c'est à 3 bornes 6, là. Ouh là là. Hop. Ah, voyage là, rapide. Là, ça fonctionne, le festival de Bourpif, parfait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en effet. Oui. Alors, 9 en me comptant, moi. Donc, 8 copains, c'est parfait. Alors, où est... Ah bah, on y est déjà ? Non. Non, non, on est à côté. On n'est pas du tout. C'est ici, Skylar. Hop, j'ai pingué le truc du coup. 700 mètres. Merci encore pour ce que t'as fait. Alors, boutique, armes. Vas-y, vas-y. Juste, je veux voir en fait ce que c'est que ce cuisine de flingue qu'on a récupéré là. Ouais. Ah, ça se joue entre Tremolo et Nico. C'est Nico qui gagne. Bien joué, Nico. Tu disais ? Regarde si toi tu peux pas le récupérer. Le machin du futur là ? Ouais, le magnéto pulsateur. LMS, t'en refais quand avec The Magician ? Je ne sais pas, on en a pas reparlé. En fait, faut qu'on arrive à s'organiser par rapport à ça, parce que quand on a fait ça samedi, il y a quoi, une semaine ou deux, c'était un peu foireux en termes de pur streaming. C'était un peu foireux, on s'est partagé les viewers et tout, c'était pas rigolo. En plus, on avait fait ça un samedi soir, c'était la grosse erreur. Je sais pas, mais il va falloir qu'on se fasse ça, il faudra qu'on se fasse du Star Citizen aussi. Alors je sais que Magicien, il en stream demain du Star Citizen. Par contre, pas de bol, je stream le jeudi soir de mon côté, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Mais on en refera. Clairement, on en refera, Chris, hein, c'est obligé. Alors, les armes, du coup, tu disais... Les armes spéciales, tu sais, l'arc, machin. Regarde si tu peux pas choper, justement, le magnétopulsateur. Sait-on jamais ? Non. Si ça a décidé de pas planter cette fois. Non, bah non, non. Non, non, aider Larry au laboratoire par cœur pour débloquer cette arme. Oui, oui, bah c'est ce qu'on a fait, mais... Non, non, vraiment, quand t'es joueur 2 dans ce jeu-là, c'est... Non, c'est de la merde, hein. Il y a plein de trucs à côté desquels tu passes, c'est un peu daubé, quoi. Bon. Trop bien. Ouais, ouais, classique, hein. Oui, je refais plein de munitions. Objets, je regarde si je fais pas des objets à récupérer. Oui. Les choses s'améliorent. Carte des briquets, bon, c'est parfait, quand j'ai acheté. Voilà. Ouais, les collectibles, quoi. Ouais, là, j'ai acheté toutes les cartes, hein, qui étaient disponibles. Ouais. Moi, je casse des trucs pendant ce temps-là. Parce que je suis américain et j'aime la destruction. America. Alors, par contre, je suis légèrement en train de cramer votre camp. Désolé. Hein. Pardon. Il y a une nana qui regarde le feu se répandre, mais elle en a rien à foutre. c'est si con. Je suis à côté de toi. Ah oui. Du coup, ouais, 650 mètres par là-bas, quoi. Bling, 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 bling. Petit banjo. Des fois, nager, c'est moins rapide que marcher. Oui. J'avais envie de changer un peu. En effet. On aurait même pu y aller en bateau. C'est vrai. C'est vrai qu'on utilise peu le bateau. Hein. On a eu une période où on utilisait pas mal. Parce qu'il y avait des quêtes associées et tout. Mais C'est parce que oui, j'étais plus sur côté du lac, donc tu pouvais beaucoup plus te déplacer. Tout à fait. Mais là, c'est plus possible. J'avoue. Oh, joli. le petit déploiement de parachute, là, c'était c'était si utile. Attends, t'es mort ? Non, 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 ah, je suis pas mort, mais j'ai mal.
Et t'as eu mal, ouais. N'importe quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé, les gars, là. Ouais, j'avoue, là. Je t'ai vu déployer ton parachute un demi-centimètre avant d'atterrir dans l'eau, c'est... très, très bizarre. Absolument. Hop là. On bat 300 mètres, quoi. Voilà, est-ce que ça le fait, ça? Non, c'était pas terrible. Il me reste un pixel de vie. Voilà. Ouais, vas-y, je t'en rends. Ouais, ok. C'est bon. Ça marche, bon Starbase, du coup, Chris, et merci d'être passé, c'est très gentil. Oui, je crois, oui, il y a un avion, je crois, c'est peut-être l'avion qui nous tire dessus, je ne sais pas. C'est même pas dit, en fait. Alors. Bon, c'est pas... Ah c'est bah pas non, mieux, hein. Ça c'est un avis, ça c'est un copain. Bah écoute, je ne sais pas. Ceci était bizarre. Mouais. Bon, par contre, j'espère que la Skylar, elle va pas aller... Enfin, elle va pas nous dire de nous rendre à péter ou schnock les mains, là. Parfait. Ça me ferait chier. Petite chasse. Hop. Bon, j'ai découvert un queue. Ouais. Oh, merci. Ouais, je sais. C'était indispensable. Ah oui. Complètement. Ma vie est chamboulée. I'm here. Bon, t'es où, toi? Je suis là. J'ai bien réfléchi. La Hydra est sacrément difficile à chauffer. Je me disais que ce serait plus simple qu'on s'y colle ensemble. Même si on partage la récompense, il restera bien assez pour Dylan et moi. Ça vous tente? Mais chaque chose en son temps. Faut d'abord qu'on améliore votre technique. Oh non. Eh merde. Oh non. Mais je veux que vous appreniez à maîtriser tous les types de poissons. Oh quoi? J'ai indiqué mes points de pêche préférés sur votre carte. Oh non. Il faudra un appât spécial. Retrouvez-moi au hangar des clés. Ça m'emmerde déjà. Mais préparez-vous, ça va être une putain de lutte. Cet enfoiré a un sacré paquet de temps. Oh non. Alors, qu'est-ce à dire que ceci? Attraper un esturgeon. Oh putain. C'est où? C'est juste là? C'est genre vraiment. Ouais, c'est vraiment à côté. Mais non, mais c'est la. Ah non, putain, c'est loin! Mais non, mais c'est la. C'est la. On l'a refait, ça, déjà. Putain! Bon, sinon, on le fait pas et on s'emmerde pas non plus, hein, c'est possible. Et ouais, on parle à la pêche au thon, ouais, bon, peut-être pas, du coup, Nico. Ouais, non, c'est bon. Du coup, à moins que tu aies une autre mission en tête, là, on peut se TP, genre, à l'aérodrome et puis on va à Falls End. Pour faire la mission de John, quoi. Ouais, enfin, si je peux me TP... Ah, si bon, je peux me TP là. Je peux pas me TP à l'aérodrome. Ah, bon, si. À proximité, quoi. Si, c'est bon. Ah, tu me rassures. C'est bon, je peux me TP à l'aérodrome, là, les deux. Un petit accent raciste. Yes, merci, Life, de me faire ban Twitch. Je suis très respectueux envers tout type de... De communauté. Et si je fais des accents, c'est parce que je les aime bien. Ce n'est pas péjoratif. Voilà. Hop, tiens, j'ai ping le truc, c'est derrière toi. Alors, il y a ta ping. Ok, parfait. Attends, tu sais quoi? On va y aller en avion et on va se parachuter comme des beaux gosses. Ah ouais! Je prends! Je crois que j'ai jamais piloté d'avion. Alors, mitrailleuse ici, d'accord. Accélère, très bien. Alors, ne nous fais pas tuer, par contre. Non, on va essayer. Alors, je vais m'inspirer des streams de The Magician sur Flight Simulator pour bien piloter. Voilà, bah ouais, finalement, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'il galère, Magician? Franchement, je comprends pas. C'est très simple. Alors. Vas-y, monte. Ouais, je vais monter assez haut. Tu me dis top, hein. Allez top, c'est parti top. Yeah. Parachute, vite. Ouais, c'est bon. Wouhou. Ah. Ça a fait boum. Ouais, je crois que c'était notre avion. Oh. J'allais dire, mets-toi sur le toit, t'as une grosse batteuse dessus. Ah. Attends, c'est quoi, c'est un méchant, ça, là-bas? Non.
Où ça? Non, quelqu'un qui s'enfuit, mais en fait, non, c'est pas. Ah, il y a une grosse batteuse là. Ah oui. Bon, de toute façon. Alors, faut aller où? Retrouver John Cena. Ouais, c'est à. À l'église qui est là. Hein. Ah, mais c'est sympa la déco, dis donc. Il paraît combien qu'il y a un mariage? Putain, la taille des clous pour clouer les corbeaux là, c'est impressionnant. Y'a pas un chemin de fer à côté? Parce que ça, c'est des clous de chemin de fer, hein. C'est clair, c'est pas du clou de bricolage, ouais. Mortel la déco, ouais. Allez. Aïe. Oh, bon, sinon... Mon nez, je venais me le faire refaire. Putain, ouais, j'avoue, là. Et voilà le beau John. Ah, oh bah chouette, il nous fait un petit tatouage gratos. Colère, Pam. Colle. Un péché. Bon, ça fait plus de bruit que ça, un dermographe, par contre, monsieur dame. Absous, si nous cachons nos péchés. Me la même pour Halloween. Tu te cacheras plus longtemps. Ton être véritable va se répandre sur le sol. Ouais, mais c'est ta cervelle qui va se répandre sur le sol à la vue de tous, là. T'as désinfecté l'aiguille avant de me tatouer? Non, mais dis donc. Non, parce que l'hygiène, c'est important, hein. Oui. Si Mahomet ne vient pas à la montagne, apporte la montagne à Mahomet. C'est plus compliqué dans cet ordre-là, John, mais bon. Je crois que c'est ce qu'on appelle un mariage forcé, non? Ouais, ça pue du cul un peu, ouais. J'ai pensé à un visage familier pour être aidé. Ah oui, c'est le curé, lui. Ouais. J'avais oublié. Mes chers fidèles. Le mec à la casquette, c'est pas l'aviateur, justement? Mais je crois que c'est l'aviateur et sa femme. Ces lieux pour... La femme, je me souviens plus trop de sa tête, mais le gars, j'ai vraiment l'impression que c'est lui. Bah faut voir si elle est enceinte, la femme. Ah non, c'était une asiatique. Exact. Et oui, en effet, elle était enceinte. On va réessayer. Tu as raison. Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Veux-tu, Nick Rai, poser la... Ah oui, si, c'est lui. C'est complètement lui. Ouais. Nick Rai, va te faire foutre. Non. J'obéirai jamais à ce psychopathe. Ah, mauvaise réponse, Nick, par contre. Admirez donc l'avarice. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Allez, tiens, un petit molar, là. Ça tombe bien, j'étais un peu enrhumé. Le bon glavio. Tu crois qu'il dit des mots doux? Bah, je sais pas, mais ça a l'air de bien le calmer, en tout cas. Nick. Oui. Oui, je veux expier. Merde alors, il est persuasif. Là, je sens qu'il va y avoir des bouts de peau en moins là. Ou un gros trait rouge sur le torse. Bah, je sais pas si t'as fait gaffe à la poitrine du prêtre, mais il a un gros bout de peau en moins aussi. Donc à mon avis. Ouais, voilà. Ah! Yes! Mieux que le laser pour enlever un tatouage! Ah bah là oui, c'est radical! Ah oui, et puis on agrafe ça au mur, ça fait une jolie déco dans l'église! D'être libéré. Il veut tous les buter, c'est normal? Ouais, t'en fais pas. Ça arrive. Poser la main sur la parole de Joseph. Officier,
Veux-tu poser la main sur la parole de Joseph pour admettre tes péchés et pour y renoncer Comme on dit dans ces cas-là, va te faire mettre. Le dernier mec qui lui a dit ça, il s'est fait chuchoter à l'oreille et puis il s'est fait trancher un bout du torse, alors bon. Ouais, mais il a dit oui après, il s'est fait enlever un bout de torse aussi. Oui, c'est vrai. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix. En effet. Allô ? Fais oui, hein. Mais en fait, j'avais aucune interaction à l'écran, en fait, donc... Ah, d'accord, moi j'ai pas appuyé. Bon, bah, je vais dire oui, hein. Allez, vas-y. Oh ! Zut ! Quel dommage ! C'est trop bien ! Ah, on l'a un peu touché, invisiblement. Ouais. Il se tenait l'oreille ou un truc comme ça. J'aime beaucoup ce patch. Oups. Ah, par contre, c'est rigolo parce qu'on récupère complètement nos flingues. C'est ça. Un peu bizarre, la mise en scène, les gars. Si. Bouge. Y a du monde. Oui, y a un petit peu de monde. Attention, dynamite par là-bas. Hop. J'étais là. Tac. Installez-vous dans la tourelle, là, ouais. Hey go! Vas-y! Bah, j'y suis. Ah, voilà. Dépêchons-nous! Oui, bah, démarre! Je vais pas mentir, je m'amuse en fait. C'est des méchants ou c'est des gentils, ça? Non, ça c'est des gentils. C'est des gentils, ok. Oula! Oulala! Là là, ils sont un peu morts, les gentils. Le côté droit, tirez. Tiens, nique-toi. Tiens, nique-toi aussi. Derrière nous! Non, c'est tac, nique-toi. Non, il y avait un quad aussi, un quad de méchants. Ah, y'a un avion! Y'a un avion! Ah, loupé. Non, ça c'est gentil, merci. Et hop, au revoir. Allez, salut. L'avion, il m'emmerde. C'est pas évident à toucher par contre, hein, cela dit. Oui bah je voudrais bien t'y voir toi. Et c'est bon, hop, un avion en moins. Podium. T'as mis crève jamais ou quoi? Aou. Aïe. Ouh la vache. Je me soigne. Moi aussi. Oui, y'a un avion qui est en train de fumer ses grands morts là. Ouais, Death from Above, yes. Allez hop, un avion de moins. Putain mais c'est pas facile hein. Mais ça, barre-toi. Con de mime. Con de mime, exactement. J'arrive. Y'a un silo là. Voilà, 14 sur 14, yes. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Putain, mais il a pris cher l'avion, il est toujours en vie, quoi. Enculé. Ah, dégage-toi. Ah là là, ça va? Pardon, c'est ma faute. Ah, mais t'en fais pas, j'ai tiré comme une brute aussi. Hein. Ah, bah j'ai plus de munitions dans mon machin. T'as plus de patates? Allez, je pilote, vas-y. Tu prends la trailleuse. Ah, y'a une trailleuse À l'arrière, ouais. Ah non, putain, monter. Ah oui, c'est. Merde, non, j'ai confondu. Je croyais que c'était l'autre avion. Oula, par contre, il est en sale état. Ouais, bah, répare-le. Je fais ça. Ah non, tu peux monter dans les deux avions. Ah yes. Bon, alors, est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne sais pas, parce que. Je pense qu'il y a qu'une arme. On prend celui qui est dehors, il est en meilleur état. Bah, en fait, il est full réparé, celui que j'ai réparé, quoi. Bon, bah, comme tu veux. Ouais, mais il est déjà sur la piste, lui, donc t'as plus qu'à avancer. Tu fais comme tu veux. Ouais, j'essaye de prendre celui-là, mais il refuse de monter dedans. Mais non, je veux pas prendre le truc, espèce de connard. John,
Mais putain. Y arrive ou pas? Entrez. Oui, c'est bon. Putain, la vache. Non, putain, attends. Attends, bouge pas. Ouais. Entrez. Vas-y, c'est bon. Allez. Alors, j'ai une mitrailleuse. Moi, j'ai... Non, mais t'as la mitrailleuse et puis... J'ai les bombes aussi. Ouais. Comment ça, mitraillage terminé? Mais il est pas mort encore, là. Calme-toi. La dernière fois, c'était toi qui tirais sur des trucs en avion. Maintenant, c'est toi. Voilà. On a fait chacun une petite session. Moi, j'attends de voir du monde. Mais... Nyon. Ah, où est-ce qu'il est, ce petit bâtard? Oups. Ah ouais, moi j'en ai rien à foutre. Ah, c'est compliqué de tirer quand t'es... Ça marche, des bisous Nico. Et bon vol, ouais. Bah bonne lecture dans le RER du coup. Ah, je peux pas l'avoir. Aïe putain. Il est insupportable. Je peux pas cadrer un tir parce que... Mais en fait il est ultra mobile de ouf quoi. Tu chasses. Mais putain! Bordel! Vas-y, fume-le! J'essaye! Merde! Ah! Est-ce qu'il est... Putain, je l'ai perdu. Il est derrière toi. Ah, connerie. J'essaye de cadrer un tir, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, bah je remue comme un gros taré aussi, donc c'est pas évident pour toi, je pense. Bah en effet. Bon crash. T'es très gentil, Nico. Merci hein, pour le soutien. Merci pour ton soutien indéfectible. Ah oui. Moi, dès que je vois, j'essaie de tirer. Ah là je lui mets cher là. Bien, bien. Et tu sais, enfin, normalement il y a des missiles. Hein. Il y a des missiles. Comment est-ce que je fais pour les missiles? Comme l'hélico je crois, non? Ah oui. Mais putain Jean. Nah, je l'aurai pas, je l'aurai pas. T'as encore des missiles? Ouais mais pas beaucoup, puis là je vois rien. Non j'en ai plus. Putain mais on t'a jamais appris à crever? Pourquoi est-ce que mes hélices ne tournent plus? Ah si c'est bon. Ah je peux faire le plein de munitions, rien à foutre je le fais. Ah mais on va crever. Mais non on va pas crever. On va le fumer. Ah putain, ça passe à côté, quel enfer! Oui! Ah putain, je l'ai fini à coup de missile, ce bâtard! On saute de l'avion? J'ai sauté. Et hop! Eh bah putain. Et du coup on s'est pas crashé, voilà Nicolas, merde alors. je pensais pas le buter avec en vol, tu vois. Oui, j'avoue que ça m'a surpris aussi. Mais en même temps, bon, ça se tient un peu parce que tu vois, Faith, on l'a affronté dans son torrent de grâce là parce que ça correspond au personnage. Ensuite Jacob, on l'a affronté en direct parce que le mec c'était un gros bourrin militaire machin. Et lui, en fait, il avait pas grand chose. Enfin, tu sais, il avait pas de truc particulier à part le charisme, tu vois. Oui. Je pense qu'il était mort, mais c'est faux. Regarde autour de toi. Notre
notre monde est foutu. Tu le sens. Tu le sais pourtant. Regarde les infos. Regarde qui nous dirige. C'est dommage, je l'avais un bon fond. Tu veux cette clé? Oui. Bon, faut le dire vite. Mais... sauver des gens, mais il risque plus rien. J'ai fait une faute dans le titre, c'est vrai, Ben? Tout est. Bouton, les bouseux. Dans le plan. Peut-être le bouton, les bouseux. Tu ne comprends pas. Bouton, c'est peut-être avec deux T. Non. Je crois pas. Non, je crois pas. C'est genre bouton, les anglois hors de France, tu vois. Je crois que c'est. Oui, c'est ça, oui. Que Dieu ait pitié de ton âme. Il semble pas que bouton. Enfin, du verbe bouter, ça prenne deux T pour le coup. Je crois pas non plus. Mais après, je suis pas le meilleur en orthographe, donc. Bah, je suis pas le meilleur en orthographe, mais je m'en sors bien. Et je crois pas avoir fait de faute, mais après, faut pas hésiter à me le dire, évidemment. Ok, cool. La canère. Officier, je ne sais pas quoi dire. John Seale a été tellement longtemps. Je n'aurais jamais cru le voir mourir. On va le ramener chez nous, on va l'empailler. Oui, ça. Hudson et les autres sont toujours coincés dans son bunker. Il faut les sauver. Je vais former une équipe pour te rejoindre, mais tu dois y aller tout de suite. Eden's Gate va leur faire subir un enfer après tout ça. Rejoignez le bunker de John Seed. Ouais, d'accord, donc on en est là, quoi. Il est pas loin. Attends, ça se passe comment? On a vraiment plus de mission. Comment ça se passe? Il y a une mission là-bas. Alors là-bas, qu'est-ce que t'entends il y par y a Marie là-bas Faye, Fall Hans, il y a Marie Faye, May Faire Grave. J'ai rien compris. À Fall Hans, il y a une mission. Alors c'est où? Là où on était tout à l'heure dans l'église. À Fall's End, là? Ouais. Ah bah yes. Ouais bah c'est parti. Vas-y, fais-nous une petite TP, tu vois. Une petite TP. Oui, y'a pas de soucis, ben non, t'en fais pas. Et excuse-moi pour mon accent tout pourri d'anglais. Oui, ouais. Mais c'est vrai que l'enchaînement de mots anglais prononcés de manière... aléatoire, ça m'a perturbé. Tu m'étonnes. Attends, il n'y avait pas un truc de... Ah, c'est plus loin. Ouais, des coins de pêche. Hop, on vend le butin, j'ai dit, voilà. Et on fait le plein de mun. Oui, bon, il ne restait pas grand-chose. Yes. C'est bueno. C'est très dangereux. Alors faites gaffe à vous. Okay. Du coup, la mission ici. Vente rapide. Voilà. Arme. C'était Marie fait Marie machin mes couilles là. Elle est là. Voilà. Elle est par là. J'arrive, hein, j'arrive. Oui, c'est la barmaid. C'est incroyable. Il y a sans arrêt du nouveau contenu. Cool. La nourriture et la fête est une part essentielle de l'esprit. Je vais piller son tiroir caisse pendant ce temps-là. Oh bah vas-y. Hop, il y a 41$, hein, ça vous emmerde pas. Je crois pas qu'on aurait pu libérer Folzen sans tout ce que vous avez fait. Face aux cinglés, la plupart des gens baissent les yeux. Les autres ont droit à une correction. Mon père a été l'un des premiers à leur tenir tête. Chaque fois que ces tarés venaient chercher les emmerdes... Par contre, attends, mais je suis en train de me dire, mais elle est où la mission qui nous donne ce fameux t-shirt dont je te parle sans arrêt, là? Il l'appelait. Ah, y a une autre mission derrière, t'as vu? Ah, mais je crois que c'est avec lui! Et ses ordures lui ont piqué une semaine avant ça. Je suis en train de me dire que c'est peut-être avec le gars qui est derrière en cuisine. Vous voulez vraiment faire chier la secte? Bah écoute... Récupérer Louis Domaker. Montrer à ces malades qu'on va pas se laisser faire. Ah, Louis Domaker, ça me dit quelque chose. Ouais, je crois que c'est un gros camion. Ils tiennent le camion sous bonne garde. Allez, oui, voilà, c'est ça. Près d'un silo à céréales. Mais je sens que vous serez à la hauteur. Oh, oui, écoutez, oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le Ben qui a fait un thé dans sa tasse Far Cry 5. Je viens de voir ça. Oh. Alors, attends, deux secondes. Je vais au pipi room. Attends, bon. On va écouter ça d'abord. Est une vieille tradition. Le festival, comme on l'appelle. C'est l'occasion pour la communauté de se réunir pour profiter d'un de ses plaisirs, gober du caviar de cow-boy. Cette ville a bien besoin d'un boost moral. Et si vous n'avez pas le visage illuminé en vous goinfrant d'huîtres des rocheuses, alors moi je sais plus quoi faire. Le problème, le festival a été annulé à cause de cette foutue secte. Mais il est hors de question que je sois le premier cuistot à pas servir de huevos colorados et une tranche de bonheur. On peut le faire, mais avant tout, il faut qu'on récupère le matériel du festival. C'est un gamin du nom de Kenny qui les a rangés dans putain. La vieille grange. Oui. Je commence les préparatifs pendant que vous allez me chercher ça.
Oh putain. Oui. Le festival. Oh, voilà. Donc, non, mais on fait le festival. Évidemment, évidemment. Donc, je vais faire un petit pipi, j'arrive dans 30 secondes. Vas-y, tu sais quoi ? J'en oui. profite aussi, je vais faire un petit pipi. Ah bah, c'est parfait. Oh, mais le festival ! Vous l'en faites baver. Ça me plaît. Je pourrais y passer mes journées. On n'en serait pas là sans vous. Mince, c'est le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Faut pas vous arrêter. Paris que John dort plus à cause de vous. Et hop. Ah oui, non, mais le nom du festival est incroyable, Astro. Et encore, t'as pas vu la mission qu'on va devoir faire. Hein. Parce que moi, je la connais, du coup. Curieusement, c'est... RE. Curieusement, c'est une des premières missions que j'avais fait dans le jeu, quand je l'avais fait en solo. Et là, genre, c'est la dernière qu'on fait avant la fin, c'est ridicule. Hop, c'est magique. Petit cacolac. Faut pas vous arrêter. Hop. Et donc voilà. Donc là, donc déjà la mission est complètement con. Et la récompense est à la hauteur de la connerie de la mission. Vraiment. Si tu n'apprécies pas, je ne comprends pas. Ok. Pour l'instant, j'ai pas de récompense particulière. Donc ça qui est beau. Non. Il faut finir la mission d'abord. Hein. À part du fric et des trucs. Donc voilà. Non. Il faut finir le truc. Donc, on va faire le festival. Il faut faire le festival, évidemment, donc un petit kilomètre. Ah bah tiens, allez, viens, je vais conduire. D'accord, t'es où ? Ah, t'es là. Je suis à l'extérieur. Avec un petit peu de rock bien gras, là. Alors, par contre, je vais ping le truc. C'est pas par là ? Non. Oh merde, y'a plus de musique ? Allô ? J'avais la musique. Bah, j'ai plus la musique. Bah maintenant j'ai plus la musique. Oh. Merde, bon bah tant pis. Hop, dégagé. Ah. Ça me dit quelque chose ce style de musique, j'ai l'impression de connaître le groupe. Ah bah peut-être hein. Genre Apes ou un truc dans le genre je ne saurais te dire. La voix de la chanteuse me dit quelque chose. Hop là. C'est des méchants ça. Non, il y a personne. Bon d'accord. Il y a personne. Oh, top. Wouhou. Yes! Ah, il en fallait deux quand même! Ouais, j'avoue! Peut-être que la première avait heurté la cabine. Fort probable. On le suit? Ouais, pas pour longtemps, on s'en fout. On va faire le festival, nous! Festival! Allez! Bonjour! Merde, je l'ai perdu. Un de ces putains de vautours a avalé la clé de ma grange. Bon, c'est okay. Une longue histoire. Disons juste que j'étais indisposé. Vous devez m'aider. Usez caca mou. J'ai du mal à viser une cible en mouvement. Abattez ces vautours. L'un d'entre eux doit avoir la clé. Ah bah yes, super. On va bien se marrer. Ok, tu veux pas. Bah c'est bon, je l'ai. Ah yes, bien joué. Là. Oui. Le festival. Ah oui, okay. Il fallait détruire la serrure. Hop, voilà.
Amener la remorque du festival. Putain, Testicle Festival. C'est magnifique derrière, le petit stand là. Sublime. C'est bon, je suis là. T'as un ping le machin? Oui. Hop. C'est bon. Je crois que c'est de l'autre côté. Ouais, ah non. Mais je suis la flèche, moi. Ah oui, ouais, ouais, forcément, je ne vois pas la flèche, je suis derrière. C'est bon. J'espère ne pas juste perdre ma remorque. Ça serait con. Oui. Pour le coup, je suis dans le coffre entre guillemets, donc j'entends pas grand chose. C'est vrai. Et je peux pas mettre plus fort. Mais oui, effectivement. C'est pas grave. T'as le Testicle Festival n'empêche quoi, merde. Le Testival. Ah mais derrière en fait le stand il y a marqué vraiment Testicle Festival et puis il y a une petite tête de de bœuf qui a peur parce qu'il se fait couper les couilles. C'est rigolo. Ah cette mission c'est du génie, hein. C'est complètement du génie, c'est la meilleure mission du jeu. Alors pas de spoil, hein, parce que Life il connaît pas, il sait pas ce qu'on va devoir faire, il ne connaît pas la récompense. On ne va pas tarder mais... Oui en effet. Mais enfin putain, ça fait des mois que je lui parle de cette mission. Bon c'est bon là. Bah ouais, oui c'est bon. Oh c'est bon. Ok. Bon, ça c'est la première partie, j'imagine. Oui, oui, ça c'était pas fun du tout, ça. Ça, on s'en fout, tu vois. Ouais. C'est le reste qui va être drôle. Il est temps de booster le niveau de testostérone pour offrir aux gens la petite flamme qui leur fait défaut. Oh oui. On a différentes façons de servir nos joyaux du Montana. Au four, frit, bouilli, à la vapeur, fumé. On a même une version sucrée, la crème de noix. Moi, je veux du nouveau. Un truc excitant. On va préparer une terrine qui va rendre vert de jalousie tous les chefs de la télé. Pour ça, il me faut trois versions différentes. Hachée, rôtie et pleine. Pour les deux premières, c'est facile. Un gros hachoir, du feu, et voilà. Pour la troisième, eh ben disons qu'il va falloir se servir sur un taureau en train de jouer à saut de génisse. Ça risque d'être un peu dangereux, mais c'est aussi pour ça que c'est bon. Apportez-moi tout ça. On pourra inaugurer le festival en beauté. Mon dieu. Oui. Mais oui, clairement qu'on va la faire, cette mission. Évidemment. Lika. Hop, on s'en fout de ça. C'est par là-bas, 800 mètres. Let's go. T'es en posi, je suis émouvé. Ah non, mais attends, mais t'as rien vu encore, mec. Je vais faire un truc. Oui. J'en ai marre de ma petite mitrailleuse toute pourrite là. Attends. Je vais prendre la grosse batteuse. Ok. Et qu'elle est où ? Voilà. Ça me manquait. Let's go. Ça me manquait de devoir compenser quelque chose que j'ai pas. Ah mais c'est ça, tant de posi. Moi aussi je suis très émouvé. Ah mais cette mission là c'est la plus subtile du jeu, hein, vraiment. Bah le Far Cry 6 à mon avis il sera à peu près aussi con. Enfin ça m'étonnerait pas parce que dans le peu de gameplay que j'ai vu, il y a un moment où il fallait que tu protèges une espèce de poulet enragé ou un truc comme ça. Donc j'ai l'impression que le côté un peu con de Far Cry 5 déteint au moins en partie sur le 6. Mais du coup je me dis ouais bah voilà, c'est un peu con les gars, vous avez fait ça une fois. Enfin renouvelez-vous quoi. Oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, je crois que j'ai vu le poulet dans le trailer. Ah, peut-être, ouais. Moi, c'était les gars de Wonder Kid Studio qui y jouaient en avant-première. Oui, il y avait ça dedans. Ah bah tiens, le truc Tesla de notre copain. J'ai récupéré les chaussures de Larry, mais... Je sais pas pourquoi. Putain, il était loin le truc, en fait. Ouais, il était à 800 mètres, ouais. Il y a un tracteur. Oui. C'est un méchant. C'est un méchant le tracteur ? Sans mec ? Non. Bah il m'a repéré et j'ai eu le truc. Ah bon ? Oh. Ah ouais.
J'ai rien pour le moment. Bah non, mais il est dans le dos là. Incroyable, c'était un méchant. Alors, est-ce que je peux tricher? Alors, la dernière fois, j'avais réussi. Ouais, t'avais réussi, je crois. Ouais, en effet. Ouais. Tut tut pouette. Alors, détruisez le verrou pour libérer les vaches, récupérer les trois types de testicules de taureau. Donc là, tu es sur la bonne voie. Voilà, il fallait tuer avec un taureau, avec un tracteur, pardon. Attends, il faut qu'il en reste. Il faut qu'il reste des taureaux à tuer autrement en fait. Arrête donc. Alors attends, détruisez le verrou déjà. Alors attends. Oui. Normalement, j'ai potentiellement du feu. Ah bah oui, non mais complètement. Il faut retirer des couilles. Hein. Voilà. Tu as un taureau par le feu. Bon bah du coup il va crever. Yes. Aïe. Donc on récupère les couilles. Et ensuite les vaches évidemment pour prendre une bonne couille bien pleine. Évidemment. Le gameplay de Far Cry 6, c'est le gameplay de tous les Far Cry depuis le 3 en fait, Ben, y a aucune surprise. Allez les vaches, allez. Forcément, il y a une petite musique sympathique. Évidemment. Il manque juste une petite ligne de saxophone, mais... Ah bah oui. Mais si. T'es prêt? Ah bah vas-y hein, c'est ta partie. Oh putain. les gars, c'est magique. Putain, c'est incroyable ce truc. C'est magnifique. Voilà. C'est plus. Donc, ouais, 1200 mètres, soit on y va en tracteur, soit on fait un TP, quoi. Ah, mais il y a plein de monde là-bas. En effet. Oula. Attends, je vais aller voir si. Et pourquoi il y a plein de monde là-bas? Moi, quand il y a plein de monde là-bas. Ah! Merde, raté. Ah, oh, il est encore là-bas. Il y a un VIP de secte, en effet. Il y avait. Et il y a une cache. Est-ce il y a que une tu cache. Ouais. La cache c'est comme tu veux, on peut, si ça te fait plaisir. Bah, vu qu'on est là, on va vous dire. Oui. Au bord L. Oui. Oula. Alors j'aurais peut-être pas dû passer par là en fait, ça sert à rien. Bah si, je pense que c'est ça. Hein. Ah c'est ça. Aïe. Ah oui, trouver. Ah bah oui, non mais c'est complètement ça en fait. On peut passer par là du coup? Comment ça se passe? Oui, c'est par là. Ah oui, j'ai pas regardé. Aïe. Faut monter, je pense. Aïe. Faut de sauter. Pour remonter, pour ressauter, pour descendre. Ah mais zut. Voilà. Yes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des magazines de talent et moult thunes, encore une fois. Bah ça c'est bien les magazines de talent pour toi. Oui. Ce jeu est magnifique dans la connerie, ouais, je suis complètement d'accord. Oui. Ah tiens, on a récupéré... Quoi donc? Un costume. Ah, un costume, j'ai même pas fait gaffe, dis donc. Merde. Je m'occupe du coffre. Oui, vas-y.
De la moula. De la moula, trop bien. Oui. Et bah voilà, il y a des munitions ici, mais c'est bon, il y a un flingue, yes. Des munitions. Beaucoup de points de talent, j'ai. Ouais. Je sais même pas combien j'en ai, tiens. Je dois en avoir 1000 fois moins que toi, j'en ai 16, tu vois. Juste 2 fois moins que toi. Ouais, bah ouais. Non, 2 mois. Attends, mais pour repartir ensuite. Ah bah non, c'est juste là. Voilà, c'est bon. Du coup, pour derrière repartir... Toi. Ah oui, en effet. Hop là. Donc, le festival. Du coup, on se TP. Ouais, on va se TP. On va se TP, ou alors on prend le quad. Attends, stop, stop, monsieur. Putain. Connard. Bon, bah, TP. Ouais, TP, allez. Alors, le technival. Le festival. Le festival. Parce que là, du coup, donc, on a passé un taureau à la moisse batte, plus ou moins. On a cramé à coup de molotov un taureau. Et on en a buté un autre qui allait sauter une bonne génisse. Mais maintenant, quelle est la récompense? Quel est ce fameux t-shirt dont je vous rebats les oreilles depuis un an? je sens le t-shirt avec une grosse perte de couillasse. Non, alors c'est peut-être pas à ce point-là non plus. Ah bon? Oh, dommage. Où est-ce qu'elle est la quête? Justement, je la remets. Oui. C'est pas celle qui est là-bas? Ah si, je l'ai pingée. Elle est à quasiment 500 mètres à l'extérieur, là. Oh, fuck. Ah si, le chalumeau, ça sert à ça aussi, Ben, ouais. Bon, tu peux les faire péter aussi, je crois, mais... Ah oui, en effet. Mais ouais, chalumeau, complètement, on le fait depuis le début, pour le coup. C'est ça. Enfin, moi, je suis un peu plus civilisé, disons que je ne fais que le crocheter. C'est vrai qu'on peut faire ça également. Je l'ai jamais fait. Voilà. Alors, un t-shirt avec la face du bœuf apeuré qu'on a vu. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Bien joué. Mais non, le quad, putain! Viens là. Il veut pas. Là. Non mais où? Oh, il y a encore des gens là-bas. Merde, 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 merde. Ouais, le C4, ouais. C'est bon, t'es là. Allez, go. Ouais. Je crois qu'au début, on y allait à coup de C4, hein, et puis après, on s'est dit, ah bah oui, mais il nous faudra le chalumeau pour réparer des trucs et tout, donc bah, du coup, on a chopé le chalumeau, quoi. Arrête de bouger, je viens de voir. Et voilà donc le Testicle Festival. C'est magique. Festival de cette année va entrer dans les annales. J'ai hâte de pouvoir croquer dans un de ces bijoux. Une fois que j'aurai assaisonné et attendri tout ça, mes beaux petits rognons vont en faire saliver plus d'un. C'est dans ces moments qu'on se rappelle ce qui compte vraiment. Nos amis, la famille, notre communauté, la vie, quoi. Une bonne paire de couilles. Vous, absolument. Bon, vous allez quand même pas repartir sans goûter ces merveilles, quand même. Ah, enfin une bonne nouvelle. Quelques heures plus tard. Je rappelle qu'on est officier de police. Hein. Et alors? Tirez. Ah non, faut péter les ballons en fait, d'accord. Oh putain, ça tangue. Ouais, un peu. La bonne idée de confier un lance-pierre de catégorie militaire à quelqu'un qui est complètement sous. Et le petit gruc avec le chapeau, j'avais oublié. Les petits grucs, ils ont l'air bien bourrés aussi. Oh.
c'est merveilleux. Donc là, normalement, on a débloqué ce putain de t-shirt, là. Normalement. Oui. Oui, on l'a débloqué. Ok, du coup, vite une boutique. Il y en a là-bas, visiblement. Ah, c'est magique. C'est complètement magique. Je t'avais dit, meilleure mission du jeu. Best mission ever, en effet. Oui. Autant je suis vite. Enfin, je change de tenue parce que moi, c'est une tenue complète que j'ai, donc ça va pas le faire. Salut. Ah bah maintenant, tu vas pouvoir utiliser la tenue. Alors déjà, je vais vendre le butin. Hop. Ah, c'était carrément pour moi, oui, en effet. Les petits gris là, c'était merveilleux. Vêtements. Haut du corps. Haut du corps. Où est-ce qu'il est? Le Testicle Festival. Oui. Où est-ce qu'il est? Un peu plus haut, normalement. Hein. Je l'ai vu un peu. Je sais pas où t'es, toi. Je remonte, en fait. Bah. Je l'ai pas? Ah, j'ai. Alors, dans mes trucs, il est un peu au milieu, bas. Du rouleau des, du truc déroulant. Oh putain, il y a un truc bien de goût d'un niveau, j'ai pas vu. Putain, il est verrouillé, je peux pas le mettre. Non. Je peux pas. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je me vois pas si tu veux, donc c'est pas important. Mais voilà, en tout cas, je le montre aux gens parce que on peut le voir quand même. Mais le Testicle Festival, le bon vieux t-shirt de ouf. Ouais, voilà, ouais, vraiment, quand on est joueur 2 en coop, là, c'est daubé. Hein. C'est vraiment l'enfer. J'espère qu'ils ont amélioré ça, hein, quand même. Ouais, c'est un peu ridicule. Mais voilà, en tout cas, ouais, le fameux t-shirt dont je te parlais, n'est-il pas merveilleux? Il est goldé. Mais en même temps, je me dis que le truc du Prime, où là, je suis torse-poil, ah, j'hésite, hein. Testicle Festival, quand même. Bon, allez, Testicle Festival. En plus, je peux pas le mettre, moi, alors. Bon, allez, vas-y. Je fais plaisir aux viewers. Ah, c'est sympa. Regardez comme il est beau, Life, là, avec son énorme sniper et son t-shirt Testicle Festival. Attends, je veux me voir avec mon sniper. Oh, je suis magnifique. Tu es très beau. Ah, il est magnifique avec une lunette de soleil en plus, en mode bon fichu ultime. Et puis bah, le mulet, évidemment, hein, qui vient parachever la beauté de ça, quoi. Ah, c'est un art. Ah, tiens, il y a un item là. Il y a un item? Ouais. Ah, oui. Un petit quelque chose. Ah, je ne peux pas le ramasser. Je vais le ramasser. Niveau final de la beaufrie. Ah, ouais, non, mais là, c'est le stade ultime. Hein. Nouvelle structure de la secte, silo. Quoi? On en a oublié? Barrage routier. On a oublié des silos? Bah non. Attends. Il semblait qu'on avait tout fait. Je survole la map quand même, mais. Moi je regarde dans les. Trucs, mais non, on a fait tous les silos. Hein. Ouais, on a tout fait, mais bon, voilà. Très bien. Du coup, là, il nous reste en quête le Widowmaker. Ouais, bon, on va y aller. Oh, bah tiens, oui. Je suis juste devant un coffre. Oh, bah tiens. Allez, hop. Très bien. Et bah, Widowmaker, alors. Eh ouais, c'est parti. Et c'est à 1500 mètres. On n'a pas un truc de véhicule pas loin. Quel enfer. Ah oui, putain, alors, c'était juste à côté en plus. Garage. Ah, non. Tu veux quoi comme véhicule? Oh, est-ce qu'il te fait plaisir? Écoute, je te laisse le choisir et le conduire. Faut un truc complètement débile. Oui. J'ai envie d'un truc débile. Ah, le Widowmaker sera pas débile, mais il sera complètement américain par contre, hein, si je me souviens bien. J'ai cru voir, donc oui, il faut que ça soit aussi américain. Bah, idéalement, ouais. Bon, ben, je crois que j'ai trouvé. Hein. J'ai vérifié quand même, mais je crois que j'ai trouvé. Hein. Mm-hmm. Je crois que j'ai pas trouvé plus américain que ça. Oh, j'ai hâte. À moins qu'il y ait des. Non. Je vais prendre ça. America, fuck yeah.
Voilà. Ah oui, c'est le 4-4 de Herc. Ouais, c'est parfait. Il n'y a pas plus américain. Non, mais c'est génial, ce 4-4 conduit par un mec avec un t-shirt du festival, je veux dire, on ne peut pas rêver mieux, quoi. Ouais, d'accord. Merde. Ah non, ça a coupé la musique. Ah non. Elle est revenue, c'est pas la même. D'accord. Que se passe-t-il? J'essaie de trouver la bonne. Ah, le véhicule de la finesse ultime, hein, Astro. Non, mais en fait, je pense que la chanson venait de se terminer. Peut-être. Oui, au secours, ah, ça va. Salut. Oula. Oh, oh. Attends. Oh, t'as loupé ça. Oui, je regardais autre part complètement. Non mais t'as loupé la vache qui vole. Ah merde. Boum. Moi j'arrose complètement à l'aveuglette dès qu'on passe à côté de quelqu'un. C'est, oh, mais, c'est n'importe quoi. Arrose, hein. Attends, je respecte moi les voies de circulation. Est-ce que tu as mis tes feux de croisement? Boum. Ah oui, alors pardon. Ah ça c'est pas un gentil par contre. On va voir l'hélicoptère. Ouais, il va s'écraser sous peu là. Voilà. J'entends. Problème réglé. Oui, écoute, pas de problème. Allez. On se la fait en mode bourrin ou pas? C'est comme tu préfères. Les deux me vont. Ah, attends. Attends, je me gare. Mets bien ton clignotant, tout ça. Je suis garé. Petit peu de monde quand même, hein. Je vais voir si je peux pas rentrer dans le... Ah bah si, il y a un passage là. Bah tiens. J'ai une idée. Oui. Non. Avant que... Habile. Alors par contre, attends, t'es sûr que tu veux te la jouer... attends, tu voulais la jouer subtil ou bourrin là? Bourrin. Ah, d'accord, moi, je change d'arme, alors. complètement, je vais passer par la droite, moi. Alors, ouais, bah, vas-y, avant que je fasse péter le truc. Oui, tu n'as pas tort. Je suis passé. Quand t'es prêt. C'est bon pour moi. Let's go. Oui. Je crois qu'on a pas mal ratissé la zone là, ouais. Moi je dis qu'on est pas mal là. Ah oui, c'était bourrin mais ultra expéditif par contre. Hein. Waouh. J'avoue que ça a été efficace. J'avoue que ça a été efficace. Ah ouais. Hop, petit medikit, yes. Alors, faut rentrer là-dedans. Vous êtes pas trop défendu, hein, franchement. Ah, il faut une clé. Faut une clé pour rentrer ici. Bah, il y a un bunker, hein, donc... Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah oui, en effet. Et par là, on peut pas rentrer? Non, évidemment. Attends. Ah, attends, viens. Où es-tu? Là-bas. Sur le toit. J'arrive. Il y a un potichier. Oh là, il y a des guêpes aussi. Il y a un truc là-bas. Oula. Aïe, ah oui, merde, bon. Évidemment.
Et dégagez les abeilles là, putain. Creux. Bon, c'était pas très bien joué de ma part. Pourquoi t'as tiré dedans? Parce que je m'étais dit qu'en tirant dedans, ça les ferait fuir. D'accord. T'as pas pensé que ça pouvait les énerver? Pas plus que ça. Visiblement, pas plus que ça. Et bah alors? Faut passer en dessous, en fait. Oui. Oula! Ah oui, d'accord, il y a un trou. Aïe. Hop, hop, hop. Hop! Mais attends, mais je suis remonté complètement. Mais c'est complètement con. Tiens, j'ai trouvé la. J'ai trouvé. Aïe! Par là. C'est de là où je suis. Oui, je suis là. Et... Hop. Alors, tu vois là? Tu tires pas. D'accord. Regarde les vidéos d'Etienne LGF sur le tube et instruis-toi sur les guêpes frôlées. Ouais, ouais, bon, écoute. Faut pas tout connaître non plus. Oula, oula, oula. Ah non, j'ai chu. T'as chu? Oui, j'ai chu. Ah oui, t'es chu. Ah oui. Ah, super. Comment je fais pour sortir? Bah, il faut que je refasse tout, yes. Ah, puis en plus, là, il y a pas mal de tunas. Ouais, bon, après, c'est pas pour ce que ça sert véritablement, mais. Et des points de talent. Ouais, alors c'est un peu pareil. En ce qui me concerne, les points de talent, tu sais. En fait, j'ai plein de trucs qui sont bloqués. Oui, c'est vrai. Donc bah, bibof. C'est. Ubichiote. Alors. Ubichiote, en effet. Hop. Okay. Donc ça, c'était le... Ah, d'accord. Bah, tu sais quoi, ça m'a servi parce que je sais maintenant par où passer. Il faut monter sur le toit. Pour pouvoir rentrer. Ah oui. Je vais essayer de m'en charger, peut-être en passant par là. Alors, on peut pas passer par là. Ou alors, tu viens derrière et je suis en train de crocheter une porte. Ah ouais, bon bah sinon on peut faire ça, ouais. Là. Hop. Tu l'as. Ouais. Tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Ah oui. Ah oui, non mais voilà, le Widowmaker, ah oui. Il déconne pas, quoi. Ah oui. Ah oui, il est magnifique. Allez, je te laisse prendre le contrôle de cette bête. En plus, t'as vu, il y a des gros canons. Ah bah oui, oui bah c'est le premier truc que j'ai vu. Hein. C'est deux gros canons proéminents pour déverser toute la justice. C'est pour répandre la démocratie. Pour répandre la démocratie. Moi, ça me va. Bon, le problème, c'est que c'est pas... Eh bah oui. Merde, raté. Salut les nuls. Mais oui, on a réussi, qu'est-ce que tu crois? Ah merde, raté. Oh putain. T'inquiète pas, je suis pas timide. Ouais, non, j'avoue, là... Putain, mais je vise trop bas à chaque fois, quel enfer! Aïe! Ah! Bon. Je crois qu'on est mouru! Oui! Et plutôt deux fois qu'une! Je crois qu'on a été un peu trop bourrin sur ce coup. Ouais, peut-être un peu. Ah. Bah, tu sais quoi? On va recommencer! Bah oui! Évidemment. Et boum! Véhicule de la subtilité, tout à fait. Tu dis quoi? Merde, putain! Tire pas trop près quand même! Hein. Ouah, allez, c'est bon! Oula, 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 oula! C'est toi qui fonce dans les véhicules là!
Oh, j'ai éclaté ses pneus. Sur mon chemin aussi. Oui, j'avoue. Hop. Salut les cons. Ah. Toujours trop bas. Ouais, toujours, hein. Mais n'hésite pas à remonter, hein. Ah bah merde, là j'ai visé à côté, voilà. Ouais. Non, là c'était beaucoup trop tôt par contre. Ah par contre, je ne peux pas tirer avec mes armes, par contre. Ah non, d'accord. Tire autant que tu peux. Ah bah j'ai pu tirer qu'une fois parce que bon le temps de rechargement de cette arme est un peu important malgré tout. Oh là là. Il y aura beaucoup trop évidemment. Ah, alors pas loin. C'est pas évident de d'exploser un hélicoptère avec. Non pas trop. Oh oh oh! Là j'ai bien dégagé le passage, là c'était cool. Merde, raté. Ah, j'ai plus que deux grenades, bon c'est pas terrible. Ah bah plus qu'une, yes. Oh non! Oh non! Oh c'est dégueulasse! C'était drôle. Pourquoi on était ça bien s'est là, on était bien, putain. Je te propose qu'on arrête après cette mission là, par contre, histoire qu'on se garde la fin du jeu pour la prochaine fois. Bah oui, clairement oui. Ah c'est cool, ils nous font pas tout recommencer. Tant mieux. C'est cool, merci. Ah, je peux changer d'arme quand même. Ah. T'as une barre de vie pour le véhicule ou pas? Parce que moi j'en vois pas. Non, j'en vois pas non plus. D'accord. Attends. Ah mais non, mais je voulais te donner des munitions. Ah, alors toi t'es tombé du véhicule. C'est ça? Oui. Yes. Attends, j'arrive. Ah. J'allais te dire de descendre. Parce que le tracteur était un peu enfumé. Bah du coup je suis décédé. Du coup tu es décédé. Oui. Tu vois, j'ai changé de siège pour venir te récupérer et tout, j'ai été gentil et puis. Oh. Ah ça c'est très américain, oui Ben. Il est résistant ce petit bâtard. Bon, on va peut-être y arriver au bout d'un moment. Je vais être un peu plus subtil, je vais arrêter de foncer dans le tas, je vais contourner. Dit-il en bourrinant un chevreuil. J'ai dit un pompon subtil. Oula, oula, oula. Tiens, dégagez-vous. J'ai pas dit beaucoup. C'est vrai. Allez, 7 barrages sur 9 là. On y croit presque. Merde non. Ah putain, mais y'a Brutix là. Le Gaulois ? Oui. Ah maintenant je passe aux grenades incendiaires. Ah, c'est trop bien, il y a des animaux là. Merde, raté. Allez. Il y a trois vaches en feu, c'est parti.
Quel merdier. L'enfer. C'est vraiment tellement con. Ah clairement, oui, clairement ça. Oh joli hélicoptère, putain. J'ai réussi à avoir le camion citerne, visiblement. Là, faut que je fasse une tour. Allez hop, les vaches en feu, yes. Ah non. Voilà, on sera un peu plus tranquille. Oui, bah là ça va, hein. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Ben. Ça, c'est américain. Oui. Tu auras un son de vieux rock sud-américain. Un petit peu, ouais. On va essayer de pas crever en arrivant quand même. Oula, 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 oula. Calme-toi. J'ai voulu drifter. Ouais, alors bon, peut-être pas avec le Widowmaker, quoi. Bah pourquoi pas. Y en a combien réussi à drifter avec un bus. Salut mon gars. Putain, ah. Merde, j'en crois pas mes yeux. Je dois dire que revoir le camion de mon père, ça me rappelle pas mal de bons souvenirs. Je me tenais ici chaque fois qu'il rentrait à la maison, comme aujourd'hui, et je lui faisais coucou. Vous avez assez de temps pour le conduire. Mais surtout, vous avez du courage. Vous auriez plu à mon père. Ravi de le savoir. Si vous avez besoin d'utiliser le Widowmaker, n'hésitez pas. En attendant, je vais rester à l'affût. Si j'entends quelque chose d'intéressant, je vous fais signe. Merci encore, officier. Merci, ma bonne dame. Merci, ma bonne dame. Bon, bah écoute, mon grand, si t'as besoin, si tu veux un jour qu'on aille dans une mission avec un gros camion... Ah bah on prendra celui-là. Ah oui, on prendra complètement celui-là. Je crois qu'on a ce qu'il faut. C'est tellement parfait. Et du coup, ouais, au niveau des quêtes, t'as un journal, machin, avec des petits... Holland Valley, c'est où ça? C'est la mission de fin, je pense, parce que là, de toute façon... Ah non, attends, là, pourquoi est-ce que John, il est encore vivant, là? Non, en fait, c'est parce qu'il faut récupérer la... faut aller dans les bunkers de John Seed. Ah, on n'a oui. pas fait le bunker de John Seed. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Quelle heure il est? 18h40. Ou alors on se finit John maintenant, et puis on fera Joseph machin à la fin. Alors ouais, par contre, là, c'est vrai que peut-être que la dernière mission sera peut-être très courte. Je ne sais pas. Ou alors on se garde vraiment tout le reste pour la prochaine fois, vu que généralement on joue quand même genre 2h30. Oui, là c'est vrai qu'on a encore fait 2h30. Ouais, c'est ça. Donc du coup on se garde ça pour la prochaine fois, histoire de jouer plus que genre une demi-heure, tu vois. Oui, clairement. Allez, on fait comme ça à ce moment-là. On fait comme ça. Allez, salut la VOD, au revoir. Salutations.